Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonsoir, bonjour, pour ceux qui nous verront en rediffusion. Nous avons notre 35e, c'est bien cela, 35e foire aux questions, c'est-à-dire que nous pouvons parler de tous les sujets. Éventuellement, l'initiative de Patrick Cattelan, de Maurice Seclin ou de Pierre de Tirmont qui m'aident pour cette émission. Mais bien sûr, vous avez la priorité, mais j'aurais envie de vous parler de divers sujets. Peut-être qu'il faudra solliciter les questions. J'imagine qu'il n'y aura rien à solliciter pour la reine Elisabeth, non ? On nous demandera d'en parler, j'imagine. Donc, les sujets que je vois aujourd'hui dans l'actualité sont l'un qui ne paraît pas très important, mais qui amène à réfléchir sur la notion de tradition, c'est l'enterrement de la reine Elisabeth. Le deuxième, c'est la guerre en Ukraine, avec ses derniers développements. Mais il y a d'autres sujets. La composition du gouvernement de Liz Truss en Grande-Bretagne. Les initiatives de notre ministre immigré de l'éducation dite nationale, M. Ndiaye. Sénégalais d'origine. Sur les stéréotypes de genre à l'école, etc. Je voudrais commenter aussi, j'espère qu'on m'interrogera, la dernière décision scandaleuse de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, j'ai noté aussi la volonté de Macron de répartir les immigrés sur le territoire français. Il y a aussi les questions économiques, la hausse des taux d'intérêt, la situation économique en général. Mais vous pouvez m'interroger sur tous les sujets que vous voulez. Alors je vais peut-être donner maintenant la parole. Alors Pierre de Tirmont réalise l'émission, donc il est absorbé par les ordinateurs. Mais les yeux de Maurice Seclin brillent, donc il a une question à poser. Oui. Les nationalistes ont connu une relative victoire électorale en Suède, et ils vont peut-être bientôt en connaître une en Italie. Dans ces pays qui ont un régime parlementaire avec des gouvernements de coalition, vont-ils avoir du pouvoir, suffisamment de pouvoir pour vraiment servir leur pays efficacement ? J'aurais dû commencer par là, en réalité. L'un des défauts majeurs qui est stratégiquement, terriblement négatif de la droite ou de l'extrême droite, pas seulement en France d'ailleurs, mais surtout en France peut-être, c'est le défaitisme. Et donc, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les saluer. Alors, il y a toute une série de bonnes nouvelles qui se présentent. Je n'ose dire que la première de cette année, c'était l'invasion de l'Ukraine du 24 février, mais je pense quand même secrètement, surtout si ça se termine bien, comme je l'espère, c'est-à-dire par la victoire de la Russie. Mais il y a eu en avril, le 3 avril, si j'ai bonne souvenance, la victoire écrasante de Viktor Orban aux élections législatives de Hongrie. Il a eu les deux tiers des voix. Et il est au pouvoir depuis 2010, je crois. Ensuite, il y a eu au Chili. Alors, on me dirait que le Chili, c'est loin. Bon, le Chili, c'est loin. C'est un pays quand même occidental, peuplé essentiellement d'Européens, de l'Ouest, espagnols ou italiens ou allemands, un peu français, puisque le grand général Pinochet avait un nom bien français comme on sait. Donc il avait Auguste Pinochet était français d'origine. En tout cas, il avait un grand-père français. Et donc, il y a eu un référendum au Chili sur la nouvelle constitution préparée par un soviet délirant qui a concocté un projet pas cosmopolite, ultra-archi-cosmopolite, qui notamment déclarait que le Chili n'était plus une nation, mais qu'il était un État plurinational. Ce qui veut dire que les autochtones mapuchés auraient eu droit... Avec l'accent tonique sur le U. En espagnol. Alors en français, on dirait les mapuches. Les mapuches auraient eu droit, les mêmes droits que les autres, quasiment, ils auraient eu le droit de reconquérir le territoire chilien. Et peut-être, pourquoi pas, de réémigrer les Chiliens occidentaux. D'ailleurs, je note ce sujet, peut-être m'interrogeront là-dessus, mais je pense qu'il faut soutenir le droit de conquête contre le droit des peuples autochtones.
Sinon, sinon les Néandertaliens, si on pouvait les reconstituer comme dans le parc jurassique, pourraient nous demander de leur rendre la France, hein, ce qui serait quand même fâcheux. Hein. Non ? Alors, ça, c'était un. Donc, ce projet délirant a été repoussé à 62% des voix. Hein, c'est le rechasso, c'est ça ? Je rejette. Rechasso, 62%. Superbe succès. Encore une fois, nous sommes français, mais tout l'Occident nous intéresse, et même le monde entier nous intéresse, puisque je vous ai dit 20 fois que l'Inde qui n'est pas, l'Union indienne qui n'est pas dans l'Occident, qui est dans le monde indien, évidemment, est dirigée par le plus grand homme d'État actuellement vivant, qui est Narendra Modi. Narendra Modi. Je n'ai pas soufflé. Hein. Et le pire, c'est que personne ne le connaît en France. Hein. Demandez à votre voisin, est-ce que Juliette connaît, Juliette c'est l'épouse de Maurice Seclin, et la mère de René Marie, est-ce que Juliette connaît Narendra Modi ? Grâce à vous probablement. Oui, elle doit le honnir parce que c'est un hindou férocement, voilà, c'est un... Bon, donc, nous devons nous intéresser, c'est maintenant... Il y a une super classe mondiale, et donc la nouvelle lutte des classes oppose tous les peuples du monde, occidentaux et non occidentaux, à cette super classe mondiale. Voilà. Et donc, tout ce qui représente le populisme, le nationalisme dans le monde est avec nous. J'avais écrit un article qui était paru à l'époque dans le Figaro, maintenant ça ne serait plus possible, qui s'appelait « Identitaire de tous les pays, unissez-vous ». C'est une belle formule, hein ? Qui plagie légèrement Marx, hein, prolétaire de tous les pays du CEU. Bon, on a le droit de plagier, de paraphraser plutôt. Y compris ceux d'Algérie ou d'Israël, par exemple. Hein ? Y compris ceux d'Algérie ou d'Israël, par exemple. Bah, écoutez, quand les identitaires défendent leur pays sans s'attaquer à la France, pourquoi pas ? Et ceux d'Ukraine ? Question piège. Non, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Moi, je n'ai rien en soi contre... Je pense que les vrais identitaires ukrainiens savent que l'Ukraine fait partie du monde russe. Et je pense que le nationalisme ukrainien est frelaté. Et c'est un sujet que je peux développer, si vous voulez. Hein. Donc non, l'identitaire ukrainien, soit il est russophone, donc il est d'ethnie russe, donc il ne peut pas considérer que l'Ukraine est totalement opposée à la Russie, soit il est de langue ukrainienne, d'ethnie ukrainienne, mais il sait que à l'origine, il y avait la Russie de Kiev, qui a donné la petite Russie à Ukraine, la grande Russie à Moscou, et la Biélorussie, la Russie blanche à Minsk, et que tout cela est un monde uni par la culture et l'histoire. Au passage, je rappelle que entre 1953, mort de Staline, et 1982, mort de Brejnev, donc pendant... Combien de temps ? Presque 30 ans. Attendez, que dis-je ? Oui. 29 ans. L'URSS a été dirigée par deux Ukrainiens successivement. Khrouchtchev était ukrainien et Brejnev était ukrainien. Oui. Bon, donc l'Ukraine a quelque chose à voir avec la Russie. Alors, ça, c'était le succès au Chili. Ensuite, il y a le succès en Suède. Le Suède, pays pourri par le cosmopolitisme. À la fois, la social-démocratie est un phénomène transitoire entre le collectivisme et le cosmopolitisme. La Suède a toujours été à l'avant-garde de tous les mouvements mondiaux les plus détestables. Et la droite... vient de prendre le pouvoir en Suède, à quelques sièges près. Donc le parti social-démocrate a perdu la partie, a perdu le combat, et la droite inclut trois partis classiques, donc le parti conservateur, le parti chrétien-démocrate, le parti libéral, et le nouveau parti, dit d'extrême droite, mais qui est un parti de droite nationale, pas du tout d'extrémiste, qui a eu les démocrates de Suède, qui ont eu 20% des voix. Et donc, la droite ne pourra gouverner que s'il y a une forme d'union de la droite. Sachant que le parti de droite nationale a fait un point de plus que le parti conservateur,
Il arrive en deuxième position, en nombre de voix, derrière le Parti social-démocrate. Donc premier de sa coalition. Et le premier de sa coalition. Alors nous avons maintenant, mais là il faut croiser des doigts parce que ce n'est pas encore fait, des élections qui se profilent en Italie avec Giorgia Meloni, qui a toutes les qualités, elle est belle, elle est charmante, et elle est de droite, elle est vraiment de droite. Tout indique, les sondages et l'analyse politique indiquent qu'elle devrait gagner. L'alliance de droite devrait gagner largement. L'alliance de droite, ça comprend les Fratelli d'Italia, pardonnez-moi l'accent italien, les Frères d'Italie, de Giorgia Meloni, la Ligue, ex-Ligue du Nord de Matteo Salvini, et puis le parti Force en avant Italie, Forza Italia de Berlusconi, plus quelques petits partis centristes. Matteo Salvini, qui avait le vent en poupe il y a 2 ans, a trahi en soutenant le gouvernement de Mario Draghi. Mario Draghi est un des pontes de la superclasse mondiale. Il a été, évidemment, il est passé par Goldman Sachs, forcément. Il a été président-gouverneur de la Banque centrale italienne, puis de la Banque centrale européenne, où il a fait, ce gars-là, comme ses successeurs d'ailleurs, sont responsables de cette politique folle qui a déversé des liquidités sur la finance, qui n'a pas du tout aidé la croissance, et qui aujourd'hui nous prépare des catastrophes. C'est un autre sujet que nous pourrions aborder, c'est l'évolution folle de l'endettement mondial. Mais quand même, là, Salvini, qui maintenant est doublé heureusement par Meloni, Salvini a été plombé par le soutien scélérat qu'il a donné à Draghi, et maintenant, il est obligé de s'allier avec Giorgia Meloni et Berlusconi. Donc là, normalement, il devrait y avoir une belle victoire de la droite. Alors bon, alors évidemment, c'est extraordinaire. Venez sur le canal Telegram, mais du PNL qui s'appelle l'Esquin PNL, il me semble, hein, et qui a une version qui est complétée par une version discussion. Donc il faut s'inscrire d'abord sur le premier, et ensuite avec un lien qu'on va trouver dans la présentation, on va sur le canal de discussion où on peut lire les discussions et intervenir soi-même. Et donc à la suite de ces remarques que j'avais faites pour dire voilà, alléluia, il a fallu que plusieurs me disent oui, mais Giorgia Meloni, elle a mis de l'eau dans son vin. Ben évidemment, pour gagner, elle est obligée de. Et puis pour s'allier avec les autres, pour faire un programme commun, elle a mis de l'eau dans son vin sur l'Europe en particulier. Bon. Ben écoutez, oui, c'est peut-être dommage, mais il vaut mieux qu'elle arrive au pouvoir plutôt que de se faire battre en prenant des positions trop intransigeantes. Il ne faut pas voir toujours le verre à moitié vide. Un verre à moitié vide, n'oubliez jamais que c'est un verre à moitié plein. Et qu'en politique, selon la bonne formule, la politique du pire est la pire des politiques. Et il faut chercher le moindre mal. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres bonnes nouvelles que j'aurais oubliées La victoire française aux législatives. Enfin, ah, j'ai oublié l'essentiel. La relative. L'essentiel. Non, bah oui. Non, le bon score. Oh. Le bon résultat. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Chers auditeurs, nouveaux auditeurs de Radio Athéna, sachez que quand on parle, quand on emploie un mot d'anglais, non, vous êtes repris tout de suite. Donc vous êtes excusé. J'ai pas de pièce. Vous êtes dispensé. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. C'est vrai. J'ai tout mis dedans. Il faut se féliciter du fait, de deux faits, pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Le fait que Macron n'a pas la majorité. Ça, c'est la seule majorité que je connaisse, c'est la majorité absolue. Pour moi, la majorité relative n'est pas une majorité. Et deuxièmement, le résultat totalement inespéré. Hein, vraiment, personne n'avait prévu ça. Même pas dans leurs plus folles espoirs, les gens du RN n'avaient pas prévu ça. 89 élus. Et surtout, ce que révèle ce résultat, c'est la fin, j'espère, en tout cas la fin probable. J'espère que ce n'est pas provisoire. En tout cas, la fin pour ce scrutin-là, du barrage antinational, qu'on appelle mensongèrement front républicain, alors qu'il n'y a rien de républicain. C'est un front de gauche cosmopolite, antinational. Le barrage, je conseille d'employer cette expression, qui est la bonne expression, c'est le barrage antinational.
Oui, c'est un très bon résultat inespéré qui donne à Marine Le Pen de bonnes chances de gagner en 2027. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Il faut encore qu'elle se présente. Avec pas gagné que c'est de se présenter. Oui, mais il me semble que dans les statuts du RN, ne peut se présenter que le président du Rassemblement National. Donc, a priori, elle n'a pas. Je ne crois pas que ce soit dans les statuts. De toute façon, les statuts, ça se change. Hein. Oui. Alors, certes. Honnêtement, c'est vrai. En supposant que ce soit dans les statuts, honnêtement, il est très facile de les changer. Hein. Non, ça n'est pas un vrai sujet, ça. Non. Enfin, c'est sans difficulté. Hein. Ah, à propos, d'ailleurs. J'espère qu'il y aura une autre bonne nouvelle, ça sera en quoi, en novembre ? Oui. Ça sera l'élimination de l'affreux candole Louis Alliot Sultan. N'ouvrez pas de grands yeux, il s'appelle Louis Alliot Sultan. Alliot, c'est son père, et Sultan, c'est sa mère. Bon. Louis Alliot Sultan par l'excellent Jourdain Bourdalou, alias Jordan Bardella. Voilà. Il y a justement une question à ce sujet. Quelqu'un demande si on ne doit pas être dérangé par le fait que Jourdain Bourdalou a trois grands-parents italiens et une grand-mère franco-kabyle. Si vous regardiez la réponse que j'ai faite sur Telegram, d'ailleurs je crois que c'est dans Wikipédia tout simplement, hein, je n'ai pas besoin de faire de grandes recherches, il a un arrière-grand-père kabyle. Voilà, un arrière-grand-père. Bon. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Et six autres italiens. Mais c'est un italien, hein. C'est pour ça que j'ai très peu de sang français, plus que Zemmour, certes. Il a une arrière-grand-mère française. Ouais. Qui épousait un kabyle. C'est ça. Voilà. Donc il a. Arrière-grand-mère, ça fait quoi ? 12,5%. Grand-grand-parent, c'est le quart. Arrière-grand-parent, c'est le huitième. Donc il a. 12,5. Il a un huitième de sang français. Voilà. Un huitième de sang kabyle et six huitièmes de sang italien. Bon, ben, l'italien, c'est un français d'adoption. Selon la définition que nous donnons d'entre. Oui, alors là, je vous le signale tout de suite, nous avons, grâce à Pierre de Tirmont, mis en ligne la nouvelle version de notre compendium doctrinal, Sagesse des nationaux libéraux, qui est sur le site lesquin.fr. Je vous invite tous à le lire, et à le lire, à le diffuser, à le méditer. Nous avons réalisé ensemble, c'est un beau travail d'équipe, une synthèse rigoureuse des idées nationales libérales. Et là, c'est très important d'avoir cette synthèse. Ce n'est pas l'état définitif de la question. Nous ferons en novembre, ou plus tard en décembre, une version définitive que nous avons l'intention, je crois que Pierre de Tirmont veut l'éditer, hein, c'est bien ça. Et donc, nous ferons. Nous commencerons peut-être par l'éditer chez Amazon, tout bêtement. Hein. C'est le plus simple. Mais ce sera une plaquette, quoi. Ça fera 50 pages au maximum. Hein. Voilà. Actuellement, on est à 40 pages. Avec trois annexes. Alors, il y a 7 fois 7 apophthegmes, un apophthegme étant, je vous le rappelle, une maxime qui a une véritable portée, en l'occurrence une portée métapolitique, et actuellement trois annexes, une annexe sur la race, une annexe sur une dissertation sur le cosmopolitisme, et une chronique de la révolution cosmopolite, qui cite par ordre chronologique tous les événements, les actes symboliques, les lois scélérates qui ont été adoptées depuis 1968, en France ou éventuellement un peu à l'étranger. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle aussi. Donc finalement, je vois beaucoup de raisons de se réjouir, mais pour revenir à l'Angleterre, je signale quand même que ça c'est moins réjouissant, c'est que quelques jours avant la mort... d'Elisabeth, la reine Elisabeth, le gouvernement de Liz Truss s'est constitué, Truss, T-R-U-S-S, et cette femme qu'on présentait comme une femme de droite a constitué un gouvernement de 22 personnes, dont 7 immigrés. On va le faire. 7 immigrés, dont 4 congoïdes, 4 indiens et 1 kurde. Ça fait 9. Est-ce qu'il y en a un qui est et congoïde et indien, peut-être ? Alors ça doit être 3 et 1, je pense. Alors, ouais. Ça doit être 3 congoïdes, 3 indiens et 1 kurde. Alors, c'est 7. Et 4 immigrés au poste régalien. Et alors surtout, elle a nommé 3 zoologènes ou immigrés au poste les plus importants. Le ministre des Affaires étrangères est un...
est un immigré, le ministre de l'Intérieur est un immigré, et le ministre des Finances est un immigré. C'était déjà le cas d'ailleurs avant, Rishi, je ne sais quoi, était Rishi Shalak, un nom comme ça, non, était indien. Voilà. Donc c'est vraiment... c'est d'ailleurs curieux parce que le Parti conservateur n'a pas tellement d'électeurs parmi les immigrés. Donc c'est vraiment une volonté cosmopolite de détruire l'identité nationale. Non ? Si, tout à fait. Donc je trouve ça scandaleux. Absolument. Je trouve ça scandaleux. Non, je veux dire, moi je veux bien qu'on donne quelques postes à des immigrés, s'il y en a, à condition qu'ils soient d'abord des Français d'adoption en France, et des Anglais d'adoption, ou des Britanniques d'adoption en Grande-Bretagne, mais sans dépasser un niveau homéopathique, hein, me semble-t-il. Et pas des postes régaliens. Là, c'est vraiment symbolique, oui. C'est symbolique. Autre question ? Alors, ça n'a pas répondu à ma question, parce que... ma question, c'était, comme nous autres Français sommes assez peu habitués aux coalitions gouvernementales, on ne sait pas vraiment comment fonctionnent les gouvernements dans ces pays. Et donc la question, c'est de savoir si les démocrates de Suède et peut-être plus tard les frères d'Italie auront beaucoup de pouvoir ou une marge de manœuvre, comme on dit, dans leurs gouvernements respectifs. Il faut distinguer. Les démocrates de Suède, ils ont 20% des voix, mais enfin, ils n'auront pas vraisemblablement, ils ne feront que soutenir sans participer, ou alors non. Donc ils pourront simplement infléchir la politique qui sera menée, malheureusement pour eux, par la droite des Candoles. Hein. Qui ne sont plus Candoles s'ils s'allient avec eux. Enfin, la droite Malasson. En Italie, c'est différent. Et l'Italie, c'est très intéressant parce que l'Italie est le laboratoire des idées politiques en Europe et dans le monde. Ah bon ? C'est elle qui a inventé le fascisme. Oui. La démocratie chrétienne, l'eurocommunisme, etc. Ah, bah bon. Ah, tiens, au passage, j'ai oublié de rappeler pour l'Italie que le mouvement 5 étoiles s'effondre, hein, pour débarras. Alors, en réalité, ce mouvement 5 étoiles, c'était un parti écolo, hein, pour la décroissance, etc. Avec des paillettes ou des étoiles pour dissimuler la nature essentiellement écolomaniaque de ces gens-là. Bon. Fondé par un comique qui s'appelait Beppe Grillo, c'est comme si Bigard fondait un parti. Remarquez, nous avons bien Zelensky qui est l'équivalent de Bigard, qui est maintenant le chef de l'Ukraine. Bon. Plus exactement de Cyril Hanouna. Qui, Zelensky ? Oui. À cause de ses origines, vous voulez dire ? Exactement. Non, mais oui, non, parce que c'était un comique. Hein, c'était... Oui, oui, mais je veux dire, Bigard est un comique, mais... Je vous rappelle que, attendez, excusez-moi mademoiselle, mais je suis obligé d'être précis, car il faut savoir que Zelensky est l'inventeur du piano à queue. Il y a une scénette que vous pourrez retrouver sur... une vidéo scénette que vous retrouverez sur YouTube, qui est hallucinante. Il n'était pas encore président de la République, hein. Président de la République ukrainienne. Mais il était chansonnier, il était comique. Et on le voit avec trois autres hommes, ou deux autres hommes, derrière un piano. On voit leurs pieds, et on voit qu'ils ont fait tomber le pantalon sur les pieds, ils ont les mains en l'air, et puis ils jouent du piano. Alors évidemment, c'est un trucage, mais c'est pour faire croire qu'ils jouent du piano avec leur queue. Voilà. C'est vraiment, c'est très drôle. C'est très fin. Alors, je me suis laissé dire qu'il jouait même, ce qui est le comble, l'hymne national ukrainien. J'espère que c'est quand même, c'est pas vrai, ça serait vraiment dans le comble de l'horreur. Quoi. Non, que les Ukrainiens, qui sont évidemment complètement manipulés par la superclasse mondiale et les réseaux américains, aient élu ce pitre au sens propre du terme, hein, c'est hallucinant. Pour leur défense, est-ce qu'on peut dire qu'ils n'avaient pas vraiment l'habitude de la démocratie parce que... C'est pas quelque chose qu'ils connaissent forcément depuis très longtemps. Non, mais je crois qu'il n'y a aucune élection démocratique. Après, ni avant, ni après Maïdan en 2014, les élections étaient truquées. Hein. Franchement, non. Personne ne peut croire qu'elles étaient honnêtes. Vous avez une question de Toton Laton. Y a-t-il une coïncidence entre la mort de la reine Elisabeth et la nativité de la bienheureuse Vierge Marie qui s'est déroulée le même jour ? Ça peut être une coïncidence, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, la Vierge Marie n'a aucun... Non, franchement, c'est...
N'insultez pas la Vierge Marie en la rapprochant de cette potiche cosmopolite qui était la reine Elisabeth. Alors je crois, bon, pour ne rien vous cacher, moi j'avais la plus grande indifférence pour la mort de la reine Elisabeth. Et j'ai une très mauvaise opinion de la monarchie anglaise, surtout depuis au moins un siècle. D'abord, évidemment, alors je m'adresse aux royalistes légitimistes qui nous entourent, enfin qui ne nous entourent pas, mais enfin, qui nous écoutent. Cette dynastie, Hanovre, est usurpatrice. Parce que le roi qui devait s'appeler Jacques II a été détrôné en 1688 dans un mouvement qui s'est appelé, qu'ils appellent en termes de propagande, la Glorious Revolution, la Révolution Glorieuse. Et la suite de ce, parce qu'il était catholique. Et à la suite de cela, c'est l'acte d'établissement, l'Angleterre a décidé que seul un protestant pouvait être roi d'Angleterre. Et donc, les Stuarts, qui sont les rois légitimes, ont été écartés depuis 1688 du trône anglais. Alors, moi, si j'étais Stuart, je réclamerais le trône anglais. Hein. Alors, pour le principe. Hein. Pour le principe. Bon. Est-ce qu'il le réclame publiquement? Je ne crois même pas. Moi, je n'ai jamais entendu dire qu'un Stuart avait le courage. Ou Mais je crois que ça s'est passé à d'autres descendants et ça se confond avec je ne sais quelle autre famille. Pas. Si on applique une règle de succession dynastique, il y a forcément un descendant des Stuarts qui pourrait réclamer la couronne. Mais je ne sais pas, je n'en ai pas entendu parler. Bon. Et donc, alors, depuis cette date, les choses ne sont pas tellement arrangées. Bon, alors évidemment... la monarchie britannique a continué à exercer un certain pouvoir du XVIe siècle. La reine Victoria, paraît-il, avait une certaine influence sur la politique de son pays. Mais alors, je voudrais appeler l'attention sur deux choses. D'abord, maintenant, depuis au moins un siècle, le roi ou la reine d'Angleterre n'a strictement aucun pouvoir. Aucun pouvoir. C'est une potiche. Il ne peut pas s'exprimer sur la politique du gouvernement. Et donc, lorsqu'il lit le discours qui s'appelle, non, c'est pas le discours sur l'état de l'Union aux États-Unis, mais le discours sur l'état du pays, le roi ou la reine lit le texte qui a été préparé par le Premier ministre sans changer une virgule. C'est un perroquet, quoi. Bon. Perroquet. C'est du pur décor. Bon. À quoi sert d'entretenir une couronne pour... une contribution nulle à la politique du pays. Nulle. Et cette dynastie, d'ailleurs, au moins à partir de George V, 1917, a montré des signes de dégradation assez importants, puisque George V, qui était roi d'Angleterre, donc, qui était le fils de son père, enfin on l'espère, était le fils donc du prince consort qui était Saxe-Cobourg-Gotha. C'est un Allemand. Bon, je crois qu'il s'appelait Albert, me semble-t-il. Le mari de la reine Victoria. Et donc, il avait pris le nom de son père, donc il s'appelait Georges de Saxe-Cobourg-Gotha. Alors c'était embêtant parce que l'Angleterre faisait la guerre à l'Allemagne, et donc en 1917, Georges V a décidé de changer de nom, et de s'appeler Windsor, en prenant le nom de son château, qui est toujours le château des monarques anglais, surtout de Windsor, qui doit être à 30 km à l'ouest de Londres, et donc maintenant il s'appelle Windsor. Bon. Mais non seulement ces gens-là changent de nom, mais ils changent de prénom. À la mort de George V, David est devenu Édouard, puis il a démissionné un an après ou deux ans après, parce qu'il voulait épouser sa maîtresse, qui était divorcée deux fois, ça ne se faisait pas bien dans le tableau. Il a été remplacé par Albert, qui est devenu Georges. Donc David est devenu Édouard et Albert est devenu George VI, le maire de la reine Elisabeth. Elisabeth a gardé son nom, ça c'est quand même bien, comme Charles a gardé son nom, en devenant roi. À la différence donc des deux précédents. C'est encore pire. La reine Elisabeth a décidé que ses enfants ne porteraient pas le nom de leur père. Le prince Philippe Mountbatten, et qui s'appellerait Windsor. Et le prince Philippe Mountbatten a râlé en disant « Mais je suis le seul Anglais à ne pas pouvoir donner mon nom à mes enfants. » En fait, quand il est le seul Anglais, il faut le dire vite, parce qu'il n'était pas Anglais du tout. Philippe c'est un Anglais d'adoption. C'était un Anglais d'adoption. Mais alors, il avait lui-même changé de nom, parce qu'il appartenait à une grande famille européenne,
C'est la famille d'Oldenbourg qui a régné ou qui règne sur... C'est presque aussi bien que les Bourbons, ils ont régné sur la Grèce, donc lui était venait de Grèce, sur la Suède, la Norvège, le Danemark, la Russie. Et ils sont devenus Glücksbourg d'ailleurs, et donc lui, quand il est arrivé en Angleterre, il a voulu prendre un nom anglais. Alors sa mère s'appelait Battenberg. Et alors subtilement, sachant que Berg veut dire montagne en allemand, et que Mount veut dire montagne en anglais, il s'est appelé Mountbatten. Donc il a changé son... Il n'a pas pris le nom de son père, il a pris le nom de sa mère pour le trafiquer et devenir Mountbatten, ce qui était d'ailleurs le nom d'un oncle, le célèbre Lord Mountbatten, vice-roi d'Angleterre, vice-roi de l'Inde, pardon, l'indépendance en 1947, Lord Mountbatten qui a illustré... C'est surtout Lady Mountbatten qui couchait avec Nero, d'ailleurs, c'était quand même... Mais on sait maintenant que c'était une famille de débauchés, enfin, en passant. Et donc... Donc il avait changé de nom. Il avait trafiqué, même pas son nom paternel, mais son nom de mère, le nom de sa mère. Hein. Et il voulait quand même donner ce nom trafiqué à ses enfants. Bon. Voilà, donc tout cela, je trouve, n'assure pas confiance. Il me semble que le nom est une marque de l'identité. Et que... Alors, quand on veut se naturaliser, on peut changer de nom, évidemment. Par exemple, Zemmour aurait pu s'appeler Olive, puisque Zemmour, ça veut dire Olive en tamazir. Ce qu'il n'a pas fait remarquer. Moïse Zemmour. Moïse Éric Zemmour. Moïse Éric, entre guillemets. Moshe Zemmour, en fait, n'a pas changé son nom pour devenir Olive. Bon, c'est quand même une erreur, hein, si vous voulez s'assimiler vraiment. Et donc, changer de nom pour s'assimiler, c'est une vraie volonté d'assimilation, ça se défend. Ensuite, ne pas donner son nom à ses enfants, tout cela est une mauvaise augure. Surtout, alors, la reine Elisabeth, qui a régné pendant combien de temps 67 ans, 68 ans, non 71, je crois. Oui, ou même plus que ça, depuis la mort de George VI, on doit être en 1952. Donc, moins que Louis XIV, qui a régné pendant 72 ans, je crois, et elle, on était à 71. Je crois que elle est devenue reine à la mort de son père. Donc, en 1952, donc ça fait 70 ans. 70 ans. Et donc, elle ne jouait aucun rôle politique, mais elle avait des convictions qui étaient mauvaises. D'ailleurs, j'ai lu ce matin dans le Figaro que Mme Thatcher avait dit « Cette femme pourrait voter social-démocrate ». Elle était furieuse, elle a essayé d'influencer Mme Thatcher, le gouvernement de Mme Thatcher, pour que l'Angleterre participât aux sanctions contre l'Afrique du Sud. C'était avant la fin de l'apartheid. Et Mme Thatcher s'était refusée. Et Mme Thatcher disait que Nelson Mandela était un terroriste, qu'il était réellement. Dans un autre article du Figaro, et j'ai une bonne lecture, très ambigu, c'est un article consacré à la relation. Relation est un terme ambigu en français sous l'influence de l'anglais. Hein. Relation en anglais, ça veut dire liaison. Ça peut vouloir dire liaison. En tout cas, la relation entre la reine Elisabeth et Nelson Mandela. On apprend dans cet article que vraiment, elle adorait Nelson Mandela, qu'elle l'appelait Nelson, qu'il l'appelait Elisabeth, et qu'elle faisait vraiment de grands efforts pour le voir, et pour le pousser, sur le devant de la scène. Bon, mais je ne voudrais pas avoir mauvais esprit, hein, surtout. Bon. Enfin, ça ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais l'article est ambigu. Donc, en réalité, cette femme était une femme de gauche, donc c'était une petite cosmopolite. Alors, vous connaissez le proverbe, ou l'adage plutôt, des morts tuis, ni bene, on ne dit pas de mort, on ne dit pas de mal des morts. Comme étant enterré, j'ai le droit. Hein, j'ai respecté un délai prudent de quelques jours, maintenant, bon. Hein, alors, ce qui est important, j'aimerais quand même développer ce point, parce qu'indépendamment du côté un peu anecdotique, ce qui est grave, c'est de voir le mauvais usage de la tradition. Nous sommes ici, nous, nationaux libéraux, des traditionnalistes, enfin, nous référons à la tradition. Mais pas n'importe comment. Demandez-vous pourquoi, chers auditeurs de Radio Athéna, pourquoi tous les médias les plus cosmopolites ont célébré la mort
de... Enfin, la mort, on célébrait la mort, oui, on commémorait, on accordait un espace médiatique absolument incroyable à Reine Elisabeth. Bon, évidemment, c'est parce que ça faisait vendre la copie, d'accord, mais pas seulement. C'est parce que elle ne gêne pas les cosmopolites, c'est même pire que ça. C'est le drapeau du cosmopolitisme, la Reine Elisabeth, comme demain Charles III, comme aujourd'hui Charles III, probablement. En quoi cette reine a-t-elle fait un signe pour freiner la décadence de son pays envahi par l'immigration, pour défendre l'identité de son pays? Rien. Jamais. Jamais. Rien. Au contraire, comme elle admirait, je reste au verbe admirer, hein, Nelson Mandela, le terroriste promoteur de la prétendue nation arc-en-ciel, elle devait certainement trouver formidable que l'Angleterre devienne une nation arc-en-ciel. Bon. Alors, lorsque la tradition n'est qu'un décor, c'est pire, parce que ça camoufle le progrès, non seulement des idées cosmopolites, mais de l'action cosmopolite de destruction de la nation, du tissu national, par l'immigration, pas seulement l'immigration, par la destruction des valeurs, des principes. Bon. Mariage homosexuel, la théorie du genre à l'école. Les Anglais sont très à la pointe. Oui, non, non. Donc vraiment. Je pense que l'Angleterre se porterait mieux si elle se débarrassait de cette couronne pourrie qui est arrivée à un point de putréfaction qui ne mérite que le mépris. Certains disent que la reine Elisabeth n'a rien dit durant son règne parce que le monarque n'est pas censé intervenir politiquement. Évidemment. Mais attendez, mais c'est maintenant parce que tout ça parce qu'ils se sont soumis. Ils ont tellement peur que de perdre leur trône qu'ils préfèrent se cantonner dans un rôle de perroquet, de pur décor. Et non, c'est assez... Oui, ils se plaignent des contraintes que ça représente. Bon, c'est quand même, ça représente beaucoup d'avantages, quand même, le luxe, etc., la popularité. Bon, alors maintenant, je vais être un peu mauvaise langue. Enfin, écoutez, en dehors de la reine Elisabeth elle-même, pour laquelle j'ai un certain mépris, hein, vous allez me dire, ah oui, mais elle a tenu son rôle avec dignité. Bon, d'accord, elle a été une petiche qui est restée, qui ne s'est pas fêlée pendant 70 ans, d'accord. Curieuse définition de la dignité. Dignité petiche, quoi. Voilà, bon, quel intérêt. Mais dans sa famille, écoutez, le frère de Charles, Andrew, est mêlé au scandale sexuel de Epstein, le juif milliardaire américain, qui achetait des petites jeunes filles un peu partout dans le monde, et qui, semble-t-il, les fournissait au prince Andrew. Epstein, qui, comme vous savez, qu'on a suicidé dans sa prison... De deux balles dans le dos. Non, là, on l'a pendu dans la prison. Pendu. Ah oui. Mais il paraît que c'est un suicide. Alors, moi, je veux bien, mais bon... il est réussi à se suicider avec des draps, je sais pas quoi. Oh, il est très fort. Hein. Alors, il y avait beaucoup de choses à dire. Je crois qu'il valait mieux qu'il mourût. Voilà. Bon. Pour beaucoup de gens. Ensuite, Harry, le neveu. Attends, Harry, c'est le fils de Charles, non Attends, Harry et William. C'est le deuxième fils de Harry est marié avec une biraciale. Oui. Une mulâtresse qui s'appelle Meghan. Meghan Markle. Meghan. Américaine, divorcée. Voilà. Donc, et comédienne. Enfin, tout ça n'est pas très glorieux. Bon, vraiment. Puis, alors, écoutez, Lady Di, qu'on en a fait la princesse du peuple. Enfin, écoutez, bon, je veux bien, c'était une débauchée incroyable, enfin. On l'avait photographié en train de se faire sauter par un des gardes du palais de Buckingham dans les jardins de Buckingham. Bon, comme le faire, non, non. Comment peut-on avoir de l'admiration, de l'estime pour une cohorte de gens aussi décadents? Alors le prince Charles, c'est assez curieux. Il a un point positif, c'est qu'il dénonce l'architecture cosmopolite décadente. Pour le reste, il est calamiteux. Hein. C'est un écolomaniaque. Il fait ami-ami avec Klaus Schwab pour dénoncer la catastrophe du réchauffement climatique. Tiens, je pourrais aussi parler du réchauffement climatique s'il y a des questions sur le sujet. Ce qu'il a fait chaud cet été. Hein. Sur le sujet, Gaëtan Desommes demande « Une monarchie constitutionnelle serait-elle la bienvenue en France ?» Qu'est-ce qu'elle nous apporterait? Écoutez, il faut d'abord répondre à ce genre de propos par la formule du sage Solon à qui on demandait quelle est la meilleure constitution. Il a répondu, dites-moi d'abord pour quel pays et à quelle époque. Aujourd'hui, le problème de la France et des autres pays occidentaux, c'est la disparition de la démocratie. Nous avons une oligarchie cosmopolite qui a confisqué le pouvoir. Bon. Donc la solution, ça n'est pas
ça n'est pas la, parce que la, les monarques actuels, on voit bien, sont tous complètement, presque tous, des gens de la superclasse mondiale ou des gens de l'oligarchie cosmopolite. Ils sont entourés de cosmopolites complets. Bon. Regardez, le prince Philippe VI dit bêtement Philippe VI par les journalistes français. Comme si on devait dire Philippe II pour Philippe, le roi Philippe II, bon. Philippe VI, bon, roi d'Espagne. Il n'a même pas voulu qu'il y ait une cérémonie chrétienne, catholique, pour son intronisation. Bon. Non, franchement, je pense qu'un monarque aujourd'hui ne ferait que graver les choses. Hein. Ça ne sert à rien, ça ne serait pas arranger les choses. Il faut plus de démocratie. Voilà. Est-ce que ça n'aurait pas l'intérêt de faire perdre du pouvoir au chef de l'État qui jouit d'une pseudo-légitimité grande à cause du suffrage universel et d'avoir une démocratie plus parlementaire ? Ben ça, ça peut se discuter, mais à ce moment-là, on n'a pas besoin de monarque. Oui. On peut parfaitement modifier la Constitution pour réduire les pouvoirs. D'ailleurs, d'une certaine manière, il ne suffirait de pas grand-chose. Hein. Actuellement, il paraît que lorsque le président de la République nomme un Premier ministre, il lui fait signer une lettre de démission non datée. Pour pouvoir le virer quand il veut. Bon. Il suffirait de modifier un tout petit peu, ça je pense que ce serait une bonne chose, un tout petit peu la Constitution pour dire que le Premier ministre ne peut démissionner qu'en faisant une déclaration de démission au Parlement. Une lettre au président de la République ne suffirait pas. Ça changerait tout, hein. Parce que le président ne pourrait plus se débarrasser d'un Premier ministre une fois qu'il l'a nommé. Hein. Voilà, moi, ça me paraît une bonne chose, parce que je pense qu'il faut effectivement... De Gaulle respectait la Constitution sur ce plan. Hein. Si on regarde la Constitution, en principe, le Premier ministre a énormément de pouvoir. Mais plus le temps a passé, avec en plus la sottise du quinquennat, plus les présidents, depuis Sarkozy au moins, ont réduit le Premier ministre au niveau d'un directeur de cabinet. Quoi. C'est une mauvaise chose. Indépendamment de l'équation personnelle du président qui se détériore à chaque fois. Hein. C'est une espèce de règle de décadence. Pompidou était pire que De Gaulle, Giscard était pire que Pompidou, Mitterrand était pire que Giscard, Chirac était presque pire que... Oui, il était pire que Mitterrand, parce que Mitterrand était quand même un homme d'État, ce que n'était plus Chirac. Bien sûr, Sarkozy était pire que Chirac, Hollande était pire que Sarkozy, et Macron est pire que tout. Est pire que tout. Donc honnêtement, c'est une espèce de loi qui veut qu'à chaque... Depuis le début, nous avons à chaque fois un président pire que le précédent. Mais là, on se dit à chaque fois, ça m'est arrivé tellement bas que ce n'est pas possible d'être plus virus. On creuse le fond de la piscine pour aller toujours plus profondément. Non, je ne sais pas qui pourrait être pire que Macron. Ça paraît inimaginable. Mais enfin bon. Est-ce qu'on s'imaginait que Macron... serait à ce point-là. Hein. Serait, oui, c'est encore pire qu'Hollande à l'époque. Les photos de Macron avec les congoïdes de l'île Saint-Martin, c'est ça hein C'était pas en Martinique ou en Guadeloupe Non, c'était l'île Saint-Martin, l'île Saint-Barthélemy, il me semble. Hein. Ou bien les photos de la fête de la musique il y a 3 ans, c'est hallucinant, dégénéré complet. L'affaire Benalla était son favori. Bien sûr. Oui. Les rois avaient leur favorite, lui il avait son favori qui était Benalla. Hein. Fou. On est tombé très bas. Hein. Nous avons beaucoup de dons. Ah, il faut que je dise merci. Alors aussi, dites merci, hein, pas seulement moi. Hein. Oui, bien sûr. Tous solidaires. Merci beaucoup à Décapsuleur qui donne 5 euros et qui vous demande si vous êtes musicien et si la réponse est non, de quel instrument auriez-vous aimé jouer ? Ou peut-être aimeriez-vous jouer, il n'est jamais trop tard. Écoutez, non, je suis très maladroit, et je suis incapable de jouer à l'instrument. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de chanter dans mon bain, ou à l'église, j'adore chanter. Ou pendant les anniversaires. Pour chanter les anniversaires, jouer les anniversaires, ou bien le bénédicité, enfin j'aime bien chanter. Et j'adore des instruments que je préfère, c'est de loin la voix que je préfère. C'est vrai que j'adore l'opéra, mais malheureusement j'y vais trop peu parce que ma femme n'aime pas, donc c'est embêtant. Et donc je suis incapable de jouer à un instrument. Voilà, quand j'étais petit j'avais essayé l'harmonica, qui n'est pas un instrument de haute qualité. Mais enfin bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Bah, j'ai même pas réussi à jouer de l'harmonica.
donc. Non, non. Est-ce que vous avez l'oreille musicale ? Alors je crois, malheureusement, peut-être que ça a baissé avec l'âge, mais je crois que j'avais l'oreille absolue. Oui, l'oreille absolue, c'est ce qui fait qu'on entend faux la musique baroque. Ça, c'est embêtant. Ouais, c'est embêtant. Notre don de Is, 5 euros également. Merci beaucoup, Is. Bonjour, monsieur de Lesquin. De quelle race ou sous-catégorie raciale sont les plus belles femmes du monde, selon vous ? Écoutez, moi, je suis raciste dans le bon sens du terme. Je pense qu'il y a de belles femmes dans toutes les races humaines. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de belles femmes chez les congoïdes. Chez les capoïdes, pardon. Les capoïdes, elles sont stéatopies, vous savez, elles ont un énorme... Et chez les australoïdes, qu'en pensez-vous ? Les australoïdes, non plus. Ça me paraît difficile de trouver une belle femme chez les australoïdes. Mais en revanche, cheveux mis à part, on peut trouver de très belles congoïdes. De très belles mongoloïdes. Et moi, évidemment, le type que je préfère, c'est... Alors, je veux dire, non, en tant qu'homme, je préfère les brunes, honnêtement. Mais du point de vue purement esthétique, je pense qu'une belle blonde, c'est encore mieux qu'une brune. Voilà. Donc, je suis obligé de dire, ça doit être le cerveau reptilien qui est contre... c'est pas le même cerveau qui joue, quoi. Le cerveau néo-mammalien préfère les blondes, et le cerveau paléo-mammalien et le cerveau reptilien préfèrent les brunes. Chez moi, hein, en tout cas. Et peut-être une sous. Alors dans les mais pour citer des noms, pour moi c'est les Grace Kelly dans Fenêtre sur cour. Ah. Bon, ou Laetitia Casta, c'est superbe, c'est pas ma femme. Voilà. Non, qu'en pensez-vous ? Alors que chacun dise son actrice préférée, physiquement. Je parle pas du jeu, je parle du physique. Ah. Pierre. Oui. Quelle actrice ? Si vous me sortez un acteur, c'est inquiétant. Moi, j'ai vu, ça fait un moment que je l'ai vu, mais elle m'avait frappé par sa beauté. J'ai vu Tenet, donc le film de Nolan, je crois. Et il y avait Eliza Debski, elle s'appelle, il me semble. C'est une très grande blonde. Ben, envoyez-moi sa photo, que j'admire. Et vous ? Un peu plus grande que moi, mais bon. Est-ce que vous aimez mieux que Grace Kelly ou Laetitia Casta ? C'est difficile. Hein ? C'est difficile. Et vous, Fenêtre sur cour, le film. Oui, je l'ai vu. C'est excellent. Hein. Et là, Grace Kelly, on la voit un peu, elle est magnifique. Hein. Il faudrait trouver une Française qui serait plus belle que toutes les Américaines, ce serait... Alors, Laetitia Casta est corse, alors, donc... Elle est corse. Parfois, il y a des belles Françaises qu'on croise dans la rue, quand même. Brigitte Bardot était belle, mais moi, c'était pas pour moi le sommet de la beauté. Hein. Elle était plus érotique par ses formes que vraiment belle. Hein. Plus sensuelle. Ça, voilà, sensuelle. C'est plus élégant, merci. Je n'ai pas été très galant. Ouais, excusez-moi, Brigitte. Si nous n'avons plus de commentaires à faire sur ce sujet, on peut passer à un autre don, à celui de Bon Séraphin qui nous offre également 5 euros. Merci, Bon Séraphin. Merci, Bon Séraphin. Vous êtes un excellent Séraphin. Bonsoir. À quel pourcentage situez-vous votre apport indo-européen ? Il me semble que celui de Lucien, de Maurice, est de 41%. Merci. J'en sais rien. Moi je sais, malheureusement je suis brachycéphale, je pense que les Indo-Européens, les Proto-Ariens étaient plutôt de l'icocéphale, mais je suis grand, j'ai la peau très claire, j'avais les yeux clairs, je pense que je dois au moins avoir 40% de sang Yamnaya proto-européen, j'imagine. Hein, je crois qu'il y a peu de variations de cette proportion parmi les Français, donc est-ce que c'est probablement lié à la sous-race, vous pensez ? Ça me paraît pas certain. Ah oui, c'est ce que vous avanciez, sous-race alpine, méditerranéenne. Je crois que c'est probable, il faudrait creuser le sujet, mais je pense que le plus probable, d'après l'état actuel des connaissances que j'ai pu avoir, c'est que, alors oui, il faut rappeler qu'il y a les Français de sang, la population des Français de sang est constituée de trois couches superposées. La première couche sont les, je le rappelle, excusez-moi, je vais aller vite parce que beaucoup de gens le connaissent déjà, mais le savent déjà, ce sont les chasseurs ouest européens du paléolithique, qui ont éliminé les Néandertaliens en moins 30 000. Je dis moins 30 000, c'est-à-dire 30 000 avant Jésus-Christ. Hein. Ensuite, deuxième couche, les paysans anatoliens. L'Anatolie, c'est la Turquie d'Asie, hein, aujourd'hui. De moins 6 000, du néolithique, moins 6 000. Et enfin, les conquérants indo-européens de l'âge du bronze, moins 3 000, qui auraient dû arriver dans la France actuelle vers moins 2500, hein, pas avant. Voilà les trois couches. Alors, d'après les études de Hack, de la revue Nature 2015, la proportion varie selon les pays, mais en France, on aurait donc 15% de sang de fonds génétiques chasseurs ouest européens, du paléolithique,
45% de paysans anatoliens du néolithique et 40% de conquérants indo-européens de l'âge du bronze. Sachant que pour ce qui est de l'haplogroupe paternel, qui n'est pas la même chose, hein, la proportion évidemment, comme ce sont des conquérants, ils prennent des femmes et ils tuent les hommes, la proportion de R1B, qui est la plus grande paternelle héritée des Indo-Européens, des Arias, est au moins de 60% en France. Les chasseurs ouest-européens du Paléolithique, c'était la plus grande I, comme Isidore. Et la plus grande des paysans anatoliens du Néolithique, c'était, si je me rappelle bien, Pierre, c'était G, hein, G comme Gaston. Hein. Hein, c'est pas J plutôt ? Non, G. Non, G. Non, alors J était un quatrième qui est venu plus tard avec la conquête romaine, mais c'est très minoritaire. Ça vient aussi d'Anatolie, mais c'est un peu secondaire. C'est une pièce accessoire supplémentaire. Et je dis pour ma part, je suis donc R1B L2I, ce qui veut dire que j'ai la plus grande paternelle des Celtes de Bretagne, mon nom est breton. Du Pays de Galles et d'Irlande. Voilà. Alors, ce qui est plus original, c'est que mon haplogroupe maternel, l'haplogroupe mitochondrial, est aussi celtique. Bien qu'on a, par les femmes, je remonte à une espagnole de la vieille Castille vers 1500, elle était donc, elle avait un haplogroupe, je crois que c'est H1A, quelque chose comme ça, qui était celtique. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de Pierre de Tirmont et dire son haplogroupe maternel ? Et paternel ? Oui. C'est pas un secret ? Vous vous souvenez ? Alors, je sais que vous êtes RAB pour le groupe paternel, et pour le groupe maternel, vous êtes quelque chose comme K, non, c'est ça ? Je ne me souviens plus, je peux aller voir. C'est K, l'application. Et là, c'est paysan anatolien. Oui. Hein ? Paysan anatolien. Par rapport à les femmes. Ce qui est assez logique, c'est-à-dire. Pour revenir sur le sujet des actrices, il y a beaucoup de discussions dans le chat en direct. Bon, ne sortez pas du sujet quand même là. Anna Karina, Monica Bellucci, Kelly Vedovelli, Marine Vacht, Yvonne Printemps, Virginie Ledoyen, Brigitte Trogneux. Bon, bon écoutez, ça suffit. Assez de divertissement, nous étions dans les choses sérieuses. Hein. Pour élever un peu le sujet, Raymond Brand me demande de rappeler la date de votre prochaine conférence sur les origines indo-européennes. Alors oui, alors ça c'est important, c'est important, oui je crois. Alors donc, le CDA, je vais faire, d'abord avant de parler de ma conférence, le CDA, je vais faire une rencontre du jeudi avec Yves Roucaute, sur l'utopie des écologistes, qui aura lieu le jeudi 13 octobre à 19h, ici même, donc au CDH, Carrefour de l'Horloge, 4 rue de Stockholm, Paris 8e. On n'a pas besoin de s'inscrire, on s'inscrit sur place, mais si vous voulez avoir des informations, il faut écrire à l'adresse électronique du CDH, cdh75008@orange.fr. cdh75008@orange.fr. Il y a un code d'entrée, mais que je ne vais pas dire que je vous donnerai si vous avez besoin, si vous avez peur de ne pas l'avoir, de ne pas trouver quelqu'un pour vous ouvrir la porte. Mais je pense qu'en général, on ouvre la porte. Oui. Hein. Bon, donc voilà, vous pourrez entrer. Ça, c'est le 13 octobre. Et alors là, je vous convie à ma conférence, dont la date a été déplacée deux fois, parce que je fais un voyage, donc je ne pourrais pas la faire à la date prévue, qui était le 13 octobre. Donc la conférence aura lieu finalement le samedi 29 octobre 2022 à 17h, ici même. Voilà. Et le titre s'appelle Les origines indo-européennes du christianisme, et qui donnera lieu ultérieurement à un ouvrage. Et je peux déjà vous donner le plan de l'ouvrage. Et le sous-titre, ce sera révision. Le sous-titre sera pour une révision copernicienne de l'histoire des religions. Et le plan de l'ouvrage que j'ai déjà donné ici, mais que je vous répète, c'est premièrement. Alors, je vous rappelle que le sujet a été en partie traité, à moitié traité par moi déjà, dans une conférence précédente. Elle est en ligne sur ma chaîne YouTube, je crois. Hein, avant que ce soit sur la chaîne du CDH, non ? Les deux ? Non, votre chaîne. De ma chaîne. Sur Zoroastre et nous, les origines zoroastriennes de l'Occident chrétien, sachant que Zoroastre et les Iraniens étaient des Indo-Européens, bien sûr. Et donc l'article est en ligne sur le site lesquen.fr, lesquen.fr. Et donc le plan de ma conférence,
et du futur ouvrage est le suivant. Première partie, zoroastrisme et christianisme, transmission des dogmes. Deuxième partie, bouddhisme et christianisme, transmission de la morale. Troisième partie, hellénisme, les Grecs, les Hélènes. Hellénisme et christianisme, transmission de la philosophie. Quatrième partie, hindouisme et christianisme, convergence sans influence. Cinquième partie, le dogme de la Sainte Trinité, consécration de la tradition indo-européenne. Sixième partie, Rome, Byzance et la chrétienté, l'Église, institution indo-européenne. Et septième partie, judaïsme et christianisme, la lettre et l'esprit. Ce plan résume le propos. Ça ne vous a pas donné envie de venir, vous avez un problème. Et je pense qu'avant cette conférence, je mettrai en ligne l'article sur le sujet le plus délicat, qui est le dogme de la Sainte Trinité, consécration de la tradition indo-européenne. Qui est le plus délicat, le plus original, parce que pour le reste, je m'appuie sur des quantités d'auteurs absolument éminents, hein, comme... Georges Dumézil, Guillaume Widengren, Jacques Duchesne-Guillemin, Jean Audry, André Dupont-Sommer, pour le bouddhisme. Je vais déjà vous expliquer la thèse qui est quasiment certaine, c'est que le christianisme a hérité de l'essénisme. Car Saint Jean-Baptiste était visiblement essénien. L'évangile selon Saint Matthieu donne de Saint Jean-Baptiste le portrait robot d'un essénien. Voilà. Et c'est André Dupont-Sommer qui a montré que les esséniens avaient hérité du bouddhisme. Lorsque l'empereur Ashoka, 250 avant Jésus-Christ, avait envoyé ses missionnaires dans toutes les directions, notamment vers le Proche-Orient. Nous avons un don d'un concurrent, ou d'un concurrent fictif peut-être, puisque c'est Radio Apollon qui nous donne 5 euros. Radio Athéna et Radio Apollon, c'est... Nous allons marier Apollon et Athéna, alors. Hein, et il vous demande votre avis sur deux historiens, ou plutôt sur un historien et un ouvrage. L'historien Pierre Chaunu. Ouais. Et le livre L'identité de la France de Ferdinand Brodel. Écoutez, Pierre Chaunu est un grand historien, hein, Brodel aussi. Pierre Chaunu a écrit d'excellentes choses, mais bon, il était souvent Julius Serville, hein. Quant à l'identité de la France de Pierre Brodel, bon, c'est une accumulation d'informations, mais franchement, je me demande s'il savait vraiment ce que c'était que l'identité. Hein. Enfin, vraiment, hein. L'identité, c'est un système. Bon, c'est pas une accumulation. D'ailleurs, je crois bien que l'identité de la France, il me semble bien, parce que je l'ai, ce livre, je l'ai pas lu entièrement, je l'ai parcouru, je l'ai lu dans tous les sens. Je me demande bien si ça n'était pas justement un ouvrage destiné, un ouvrage de vulgarisation destiné au lycée. Ah oui. Je crois. Et honnêtement, vous feriez mieux de lire les écrits de votre serviteur et ceux du PNL pour savoir ce que c'est que l'identité de la France, à mon avis. Hein. La France est issue. Allez, recommencez par lire le Sagesse des nationaux libéraux sur le site lesquin.fr. Oui, hein, que, dans la version que vient de mettre en ligne Pierre de Tirmont. Et vous verrez que la nation française est née au XIe siècle, pas avant, d'un cynicisme. Celto-romano-germanique. Donc en réalité, nous sommes le résultat de deux cynicismes successifs. Le premier, c'est le cynicisme des trois couches dont j'ai parlé. Hein. Chasseurs ouest-européens, paysans anatoliens et conquérants indo-européens, premier cynicisme. Et le deuxième, c'est celui des Gaulois, des Romains et des Francs. Qui a mis 5 siècles pour se réaliser. Hein. Clovis était un roi des Francs, c'était pas du tout un roi de France. Hein. Il parlait une langue germanique, le francique. Les Mérovingiens et les Carolingiens étaient des Allemands, en quelque sorte, enfin des Germains. Nous avons un don de Edouard. Merci Edouard. Pour les 10 euros. Merci. Est-ce que vous appeliez David comme le roi d'Angleterre avant de vous appeler Edouard? Il faudrait lui demander. Vous êtes pour la liberté contractuelle en termes d'emploi, mais est-ce que celui qui cherche du travail pour vivre n'est pas dans une situation de faiblesse dont l'employeur peut profiter? Oui, bien sûr. Oui, il peut en profiter. Ouais. Ouais, c'est évident. C'est évident, mais la liberté contractuelle, si on commence à dire
n'y a plus de liberté contractuelle, il n'y a plus de liberté du tout si on commence à vouloir équilibrer les forces dans le contrat. Je ne crois pas que l'on puisse améliorer la situation globale, non pas d'un individu en particulier, mais la globale des salariés par les méthodes qu'on emploie actuellement, parce que le code du travail crée le chômage. Bon. Et je vous rappelle que notre programme résumé, c'est... Vous souvenez-vous ? Non, c'est brûler le code du travail virer les immigrés, et pas le contraire. Hein ? C'est ce que nous sommes, des véritables humanistes, nous. Marcel 149 demande ce que vous pensez de l'agriculture régénérative qui consiste à cultiver sur des sols vivants au lieu de sols artificialisés par les engrais chimiques. C'est baratin. Je pense, écoutez, moi je crois qu'il faut laisser la liberté aux agriculteurs. Alors attention, il faut les empêcher d'empoisonner les rivières, etc., tout ce que vous voulez. Bon. Mais sinon, il faut laisser... C'est la liberté d'entreprise. Bon, une ferme, c'est une entreprise. Bon. Donc il faut sortir de l'assistanat général qui fait que les paysans maintenant sont des fonctionnaires de l'Europe vivant de subventions, qui d'ailleurs vivent mal, qui souvent se suicident tellement ils vivent ça mal. Donc il faut laisser la liberté d'entreprise aux paysans et ne pas leur coller. Alors moi je veux bien, si ça marche, pourquoi ne pas faire ça? Mais personne ne peut dire à l'avance si ça marchera. Laissons faire l'initiative. Moi je n'ai rien, autrement dit. Je n'ai rien contre ce projet. Si ce projet vous paraît intéressant sur le plan économique, il peut réussir, très bien. On verra bien. J'ai quelques doutes. Le retour à l'âge de pierre ne m'a jamais tenté. Une question de Khaled Emmanuel. Êtes-vous en faveur de l'assimilation ou de la rémigration ? Mais les deux, mon général. Enfin, voyons, les deux. Il faut rémigrer les individus qui sont en France, qu'ils soient de la cité française ou non, s'ils ne sont pas assimilés. Et vous verrez, je reviens encore une fois sur mon compendium doctrinal, sur le document Sagesse des nationaux libéraux, ce que c'est que l'assimilation, ça consiste à ne pas vivre en communauté séparée du corps de la nation. Bon. Donc, un immigré devient français d'adoption s'il est français de nationalité, et s'il est assimilé, c'est-à-dire s'il vit... avec les Français de sang et pas avec les gens qui ont la même origine que lui. Et ce qui veut dire que Zemmour n'est pas assimilé. Zemmour a épousé une juive comme lui, est en ménage avec une deuxième juive, et ses principaux conseillers sont tous juifs. Bon. On a affaire à quelqu'un qui est communautariste, donc inassimilé. Bon. Malgré les apparences. On peut jouer les assimilés, mais on ne l'est pas quand on est communautariste de facto. Donc moi je n'ai rien contre l'assimilation des gens. Alors ça ne veut pas dire que la France n'est pas obligée d'accueillir chez elle tous les gens qui sont assimilés. Hein. Après tout, l'assimilation, un Français d'adoption, moi je suis accueillant, mais dans certaines limites. Hein. Faut pas que tous ceux qui sont susceptibles d'être assimilés soient forcément acceptés parmi nous. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'assimilation en tant que fait qu'on reconnaît et l'assimilation en tant que projet où certains partis, parfois le RN et parfois aussi Zemmour, donnaient l'impression de vouloir faire des efforts pour permettre l'assimilation. Zemmour disait vouloir restaurer l'école républicaine pour qu'elle puisse mieux assimiler. Fabriquer des Français. Moi, je n'ai aucune envie d'assimiler pour le principe. Donc, simplement, les gens qui veulent s'assimiler et qui sont effectivement assimilés, ils ont un droit, dans notre politique, une priorité pour être accueillis en France, et rester en France. Mais nous ne sommes pas obligés, hein, nous n'avons aucun devoir envers les étrangers. Aucun devoir, hein. Aucun. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour tout le monde, hein. Et vous aussi, d'ailleurs. Évidemment. Tous beaucoup de sympathie. Pas de haine ici. La haine est un sentiment qui nous est étranger. Mais, en revanche, aucun étranger n'a le droit de venir en France. Non. C'est le peuple français, la nation française qui doit décider si elle les accepte ou non. S'ils sont assimilés, après tout, qu'ils réémigrent, ils porteront la culture française dans leur pays, dans le pays où ils rémigreront. C'est très bien. Kevin de Sévigné demande si le dieu gaulois Taranis est une version celtisée du dieu hindou Indra
Et si oui, si la roue de Taranis est un héritage de la roue du Dharma? Alors, écoutez, là, vous posez une question, une question très technique. Je ne connais pas la roue de Taranis. Franchement, je ne peux pas vous répondre de manière certaine. D'autant plus que j'ai assez peu étudié, c'est coupable, puisque je suis celte d'origine. Oui, je suis celte, d'ailleurs la France est un pays essentiellement celtique. Hein. Je ne peux pas vous répondre sur le plan scientifique. Je lis beaucoup du Mésil, je ne crois pas qu'il ait dit ça hein, pour Taranis. Hein. Je ne crois pas qu'il ait trouvé d'homologue exact dans la religion gauloise. Donc ça ne me paraît pas évident, mais il faut voir ce qui était écrit par les... Comment s'appellent les... En dehors de... Les grands spécialistes de la religion celtique, des sciences, c'est Guyon Varc, il me semble qu'il s'appelle Guyon Varc. Hein, Guyon Varc, si vous préférez. Mais là, je ne peux pas vous répondre. L'équivalent de Indra, c'est Mars. Arès en Grèce, et Mars... dans la religion romaine, archaïque, voire le gros livre de Dumézil sur la religion romaine archaïque. J'ai lu autrefois Heure et malheur du guerrier de Dumézil, je ne me rappelle pas qu'il ait dit quelque chose sur Taranis, mais ça a pu m'échapper. Hein. Donc a priori, dans l'état actuel de mes faibles connaissances, j'ai quand même lu plusieurs milliers de pages de Dumézil, hein, je vous réponds non, voilà, mais sous réserve. Hein. Il faut bien comprendre que il suffit pas qu'il y ait une vague correspondance entre deux types humains, hein, un guerrier, un autre. Non, il faut que ça rentre dans un système. C'est une structure. Hein, la trifonctionnalité, c'est une structure. C'est pour ça que j'ai démontré que, malgré les apparences, le dogme de la Sainte Trinité est structurellement trifonctionnel. Nous avons une question de Prince de Friedland. Pouvez-vous nous parler de Jules Monroe, de sa relation avec le Carrefour de l'Horloge et vous-même? J'ai bien connu Jules Monroe. Jules Monroe était un des maîtres à penser du Club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge. C'était un homme pour lequel j'avais beaucoup d'amitié et d'admiration. Il a écrit des livres remarquables, hein, Sociologie du communisme, Sociologie de la Révolution par exemple. C'est lui qui a inventé le concept d'hétérotélie, donc je remercie d'ailleurs Zemmour. Vous allez me dire que je suis obsédé par Zemmour, mais c'est vrai. Zemmour nous a donné un bel exemple d'hétérotélie. Ça, c'est le concept de Jules Monroe. Zemmour a lancé son mouvement pour supplanter le RN, et supplanter personnellement Marine Le Pen. Il aboutit à l'inverse, il a renforcé le RN et propulsé Marine Le Pen au premier plan. Donc j'ai laissé un bel exemple d'hétérotélie. Bon. Donc Jules Monroe est un penseur très intéressant. De Gaulle, d'ailleurs, l'avait lu avec beaucoup d'intérêt pour Sociologie du communisme. Mais à mon avis, Sociologie de la Révolution est encore mieux. Donc c'est un de nos maîtres à penser qui nous a beaucoup apporté. Voilà. Et je l'ai connu personnellement. J'ai connu d'ailleurs ses enfants, enfin sa fille plutôt faisait partie de notre association. Alors Jules Monroe d'ailleurs était martiniquais et il a eu une vie un peu chahutée parce qu'il a commencé par être, comme il avait un peu de sang congoïde, hein, il a commencé par donner dans le surréalisme d'abord, mouvement complètement cosmopolite et dégénéré, et dans la revendication de la négritude, alors qu'il était essentiellement caucasoïde. Et puis il a changé complètement et il a adopté la France, voilà. Et il est devenu admirable. Voilà. Et c'est un grand penseur. Et d'ailleurs, il a collaboré à plusieurs colloques. Et ouvrage du CDH. Il a même publié un livre qui s'appelle Désintox, le titre n'est pas très bon, où il reprend les contributions qu'il a données au CDH. Dieu et son âme. Le même prince de Friedland demande aussi: aurait-il été possible d'apporter la civilisation à l'Afrique par un autre moyen que la conquête militaire et avec elle la colonisation? Sûrement, mais plus difficilement. Voilà, ça aurait été beaucoup plus lent. Hein. Beaucoup plus lent. Je vois peut-être très bien comment c'est... D'ailleurs, est-ce que ça aurait été... Je dis sûrement non. Pas sûrement. Non. Peut-être comme sont en train de le faire éventuellement, je ne sais pas, Chinois. Mais non, parce qu'il faudrait... Il faut déjà... Non, je crois honnêtement que sans la colonisation, ils ne seraient jamais sortis de leur... de leur retard, de leur barbarie. Non, je crois que la colonisation était nécessaire pour eux. Quelle a été la plus grande nation européenne en dehors de la France? Toujours Prince de Friedland.
Ou quelle est, pardon, c'est au présent, quelle est ? Bah, écoutez, objectivement, j'aime pas les Anglais, hein. Mais les Anglais sont quand même une très grande nation, objectivement. Le Portugal, petit Portugal, regardez ce qu'il a fait. C'est lui quand même qui a fait la grande découverte, hein. C'est prodigieux. Alors, ne pensez pas à l'état actuel d'un pays, pensez à son histoire, et à ce qu'il a apporté. L'Espagne, Colomb, et puis l'Espagne a fait la Reconquista. Alors, au passage, je suis encore obsédé par Zemmour, mais il faut quand même savoir que c'est toujours ça rigolo. Zemmour a appelé son parti Reconquête en référence à la Reconquista, la reconquête espagnole. L'Espagne a été envahie par les musulmans en 711 et ils sont remontés jusqu'au nord. Ils ont été arrêtés en 732 à Poitiers par Charles Martel. Et la reconquête espagnole a duré des siècles. C'est terminé en 1492, janvier 1492, par la prise de Grenade. Et savez-vous, ouais, vous le savez, alors dites-le, quelle a été la première décision prise par les Los Reyes Catholicos après l'achèvement de la reconquête et la prise de Grenade ? C'est l'expulsion d'une certaine catégorie de population, mais pas des musulmans. La première décision, ça a été l'expulsion des juifs. Et d'ailleurs, comme c'était les juifs d'Espagne étaient la plus grande communauté juive du monde, c'était une catastrophe pour les juifs, ils ont appelé ça la Shoah. Shoah voulait dire catastrophe. 1492. Alors je ne sais pas si Zemmour savait cela. Les musulmans étaient expulsés 10 ans après seulement. Hein. Et donc c'est en avant expulsé les juifs. Il est très cultivé, il devait le savoir. Il n'est pas cultivé, non, non. excusez-moi, ses livres sont écrits par des nègres. Hein. Et puis il a une mémoire d'éléphant, mais il récite des fiches qu'on lui a faites. Non, non. Samplon95 demande « Que pensez-vous du manque d'ambition de la France et du CNES dans l'exploration spatiale depuis l'avortement du projet de navette Hermès, saccagé suite à la fondation de l'ESA ?» Il ajoute « On voit bien que Thales Alenia Space possède les compétences nécessaires puisqu'il fabrique des pièces importantes du futur projet Passerelle Lunaire, station en orbite de la Lune. » C'est désolant, cher monsieur, cher ami, mais... la France manque de maintenant. Nous sommes dans une période depuis Giscard, dans une période de décadence accélérée. La France n'a plus d'ambition. Et il faut absolument un changement de politique, un changement de gouvernement, un changement de majorité pour que la France reprenne le chemin de la croissance, mais c'est pas seulement de l'économie, le chemin du progrès, du vrai progrès. Le prétendu progressisme, c'est-à-dire le cosmopolitisme, c'est la décadence, ce n'est pas le progrès. Personne n'a interrogé sur l'Ukraine, c'est marrant ça. Oui, il y a peu de questions sur l'Ukraine. Les gens sont là. Mais... J'en ai vu passer. C'est pourtant un vrai sujet. Ah, hein. Oui. J'ai vu un commentaire, il faudrait que je le retrouve. Donc désolé à l'internaute que je ne pourrais pas citer. Si l'Ukraine, c'est un sujet qui n'intéresse pas nos amis, bah, tant pis, je n'en parlerai pas. Moi. Il disait que la prétendue victoire de l'Ukraine. Militaire des derniers jours est en réalité seulement un repli stratégique de la Russie. Donc bah écoutez, vous voulez que je réponde là-dessus ? Voulez-vous que je réponde là-dessus ? Hein ? Bah allez-y, je pense que c'est intéressant. Bah écoutez, peut-être pas trop longtemps, puisqu'il n'y a pas eu tant de questions. Mais... un vrai succès de l'Ukraine, qui démontre quand même certaines faiblesses de la Russie. Et cela dit, moi je suis amené à m'interroger sur la stratégie de Poutine. J'ai l'impression que Poutine n'a pas la bonne stratégie. Dans un premier temps, lorsqu'il a massé ses troupes à la frontière de l'Ukraine, il a pensé que le pouvoir de Kiev accepterait ces conditions, qui étaient des conditions d'exigence très raisonnables. C'est-à-dire, premièrement, l'application de l'accord de Minsk, c'est-à-dire le respect de l'autonomie et de la sécurité des républiques sécessionnistes du Donbass. Deuxièmement, la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie. Et troisièmement, l'engagement de l'Ukraine de ne pas rentrer dans l'OTAN. Si le gouvernement ukrainien de Kiev avait accepté ces trois conditions, il n'y aurait pas eu de guerre. C'est ce qu'il aurait dû faire dans l'intérêt de l'Ukraine. Ensuite, lorsqu'il a envoyé son corps expéditionnaire en direction de Kiev, il a sans doute espéré que Zelensky céderait. Et d'ailleurs, ça a failli se produire, semble-t-il, puisqu'ils ont commencé à négocier, d'abord en Biélorussie, ensuite en Turquie.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu des pressions occidentales pour que ça n'aboutisse pas, et puis des assassinats. Il faut savoir que les nationalistes ukrainiens, qui sont des extrémistes fêlés, pratiquent l'assassinat politique. Daria, l'assassinat récent en Russie de Daria Dugina est un exemple type, mais pendant, entre les deux guerres, entre, la guerre de, entre 1918 et 1939, la moitié, enfin le 40% de l'Ukraine actuelle à l'ouest appartenait à la Pologne, c'est-à-dire la Galicie et la Volhynie, les parties les plus ukrainophones de l'Ukraine actuelle, autour de Lvov, Lvov en russe, Lviv en ukrainien, Lemberg en allemand, et le parti, le mouvement nationaliste ukrainien de l'époque, de Stepan Bandera, pratiquait l'assassinat politique. Ils assassinaient des ministres polonais, ils assassinaient les ministres de l'Intérieur, ils assassinaient les ministres des Affaires étrangères. Bon. Et donc là, lorsque les négociations commençaient, ben un des négociateurs qui revenait de Turquie a été assassiné. Évidemment, ça refroidit les tentatives de conciliation. Zelensky a sans doute eu peur de se faire assassiner. Hein. C'est ce qui aurait peut-être eu lieu. S'il avait vraiment voulu négocier. Mais à ce moment-là, dès lors qu'il est clair qu'il n'y aura pas de négociation d'accord possible, eh bien, il fallait que Poutine monte en gamme. Vous savez que le principe de Clausewitz, c'est que la guerre, c'est la montée aux extrêmes. Hein. Alors déjà, à quoi ça rimait de parler d'opération militaire spéciale plutôt que de parler de guerre? Et ensuite, la Russie a mis 120 000 hommes sur le terrain, en Ukraine. Face à l'Ukraine qui a mobilisé. Écoutez, moi, ça ne me paraît pas raisonnable. Il faut que la Russie se donne. Autrement dit, vous connaissez le proverbe, l'adage, qui veut la fin, veut les moyens. Bon. J'ai l'impression que Poutine ne comprend pas qu'il doit faire une démonstration de force, ou pas une démonstration, qu'il doit faire une montée en puissance qui doit lui permettre de détruire l'armée ukrainienne. Donc il faut qu'il y mette les moyens. Je crains malheureusement qu'une fois de plus, il soit influencé par le candole Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, qui lui avait fait signer par exemple les accords de Paris sur le climat, ce qui pour un producteur d'hydrocarbures quand même pas très intelligent, et qui là lui dit non, il ne faut pas trop en faire, il faut conserver des bonnes relations avec les pays du tiers-monde, je ne sais pas. Donc je m'interroge sérieusement sur la qualité de la stratégie de Poutine. Voilà pour l'Ukraine. Une question de Kevin de Sévigné. Quelles sont les origines de l'antislavisme? Quelles ont été les causes de ce rejet du peuple slave et notamment de la Pologne? D'abord, il n'y a pas de peuple slave. Il y a des peuples slaves. Et il y a d'autant moins de peuples slaves que les slaves d'Europe, enfin les slaves qui sont tous en Europe, enfin non, ils sont aussi en Sibérie. Les slaves appartiennent à trois civilisations différentes. Le monde russe, qui est une civilisation, à part, proche de la nôtre, d'accord, mais à part, qui inclut la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine ou Petite Russie, Malorussie. Les pays d'Orient qui sont dans les Balkans, à savoir la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, le Monténégro, sont des pays orientaux. Et puis il y a des pays occidentaux qui appartiennent à la civilisation occidentale. La Croatie, la Slovénie, la Tchéquie et la Slovaquie, la Pologne. Voilà les... Donc il n'y a pas de peuple russe. Il n'y a aucune unité. Il n'y a pas de peuple slave, il y a un peuple russe. Les Slaves sont divisés en trois civilisations très différentes. Sachant que le monde russe et l'Orient sont de religion byzantine dite dictateur orthodoxe. Alors l'antislavisme, c'est une vieille tendance des Allemands, hein, qui commence avec les chevaliers teutoniques, hein, qui ont avancé vers l'Est. Vieille tradition allemande antislave, hein, et qui était fortement portée par le courant hitlérien, qui méprisait les Slaves. Voilà, c'est une tradition allemande détestable, je l'avoue, mais qui existe. Voilà.
Mais je ne crois pas qu'ils aient antislavisme en France. Hein. Sinon, c'est vraiment propre à aux Allemands, hein, me semble-t-il. On pourrait dire, mais c'est comme tout, c'est parce que notre époque ne nous offre pas toujours les meilleurs exemples en matière de migration, mais on pourrait dire que les immigrés de pays slaves, notamment slaves orientaux récents, sont pas forcément toujours des bonnes additions à la population française. Et puis les Anglais aussi en veulent beaucoup aux travailleurs polonais. Ça a été une des causes du Brexit. Ils en veulent à tous les immigrés. Hein. Oui. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour la Pologne, personnellement, parce que c'est un pays ami de la France depuis toujours, catholique. Voilà. Cela dit, ils n'auraient jamais dû faire la guerre en 1939. Déclarer la guerre, c'est un autre sujet, mais c'est une aberration. Ce fut une aberration. Ramicher demande ce qui explique que la coterie juive soit foncièrement cosmopolite. Elle n'est pas foncièrement cosmopolite. Non, attendez. Le sionisme est un nationalisme, donc il n'est pas cosmopolite. Netanyahou est si peu cosmopolite, d'ailleurs, l'ancien Premier ministre... Il ne dit pas la religion juive, il dit la coterie juive, je précise. Attendez, la coterie juive en France, le CRIF... Oui, alors ça, c'est autre chose. La coterie juive en France, c'est le CRIF, avec la LICRA qui est son appendice, ont une stratégie cosmopolite, comme le Congrès juif mondial, mais pas l'État d'Israël. Le Congrès juif mondial... qui ont une stratégie de destruction de l'identité nationale par l'immigration, et en particulier, d'où le PPCM, ce que j'ai appelé le PPCM, le plan de promotion des Congolais et des métissages, qui se voit dans la publicité, et qui vise à submerger les pays occidentaux par le métissage, l'immigration congolaïde, pour que l'identité nationale disparaisse. L'idée, c'est que si un pays a une forte identité, peut y avoir une résurgence de ce qu'ils appellent l'antisémitisme, c'est-à-dire d'hostilité anti-juive. Les juifs étant considérés comme une minorité non assimilée et qu'il faut donc expulser. Les juifs ont été expulsés partout en Occident, je vous rappelle. Et en France, en 1394, définitivement. Enfin, définitivement. Ils sont revenus après Napoléon, quoi. Grâce à Napoléon. Merci Napoléon. Merci Napoléon, qui a créé le consistoire, aussi, le consistoire israélite. Nous avons un don de 5 euros d'aaronisme, merci beaucoup. La musique bretonne du 19e... La musique ? Bretonne du 19e siècle, bagade entre parenthèses, est-elle comparable à la musique noire ? Son caractère répétitif et ses nombreuses percussions m'amènent à le penser. Je pense que vous avez totalement tort, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment une question provocante. Ce sont les meilleurs, les questions provocantes. C'est de l'anticeltisme, ça, c'est scandaleux. Non, mais votre remarque est scandaleuse, cher monsieur. Non. Ce qui caractérise la musique nègre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui peut être très belle dans le jazz, dans le blues, par exemple, hein, attention, bien qu'elle n'atteigne jamais le niveau de la grande musique classique occidentale, elle peut être très belle. Je tiens à le dire, s'il faut le répéter, il faut être sourd pour ne pas sentir la beauté du jazz. Je dois être sourd. Je suis sourd également. Oh non, bah écoutez, là, vous faites de la peine. Non, j'exagère. Yes, parfois. Non, mais attendez. Ça dépend. Écoutez, Sidney Bechet, c'est ravissant, Sidney Bechet. Et donc, c'est d'ailleurs très supérieur, à mon avis, à la musique bretonne du 19e siècle, hein, avec les bagades. Bon, ça, les binous, quoi mais... Non, mais soyons sérieux. Franchement, non. C'est l'heure de battre. Lucien et moi sommes malentendants. Non, les bignoux, c'est quand même assez. Sublime. C'est quand même affreux. Non, c'est sublime. C'est encore pire que la cornemuse. Bon, et donc. Non, c'est joli la cornemuse. Je vais quitter ce plateau. Ah, et en tout cas, donc ça n'a rien à voir. Si vous voulez, le rythme ne suffit pas pour caractériser une musique. Dans la musique en général, il y a le rythme, certes, il y a la mélodie, il y a l'harmonie, et il y a le timbre pour schématiser. Pas pour schématiser, pour typologiser, si j'ose dire. Eh bien, la musique, la marche de la musique, le rythme de la musique militaire n'a rien de sexuel. Et le rythme, à ma connaissance, le rythme de la musique bretonne n'a strictement rien de sexuel. Ce qui caractérise le rythme de la musique nègre, même la plus haute, le jazz, c'est qu'il est sexuel. Donc c'est le cerveau reptilien qui est en jeu. Et qui s'émancipe, si vous voulez. Je vous rappelle que nous avons trois cerveaux. Hein. On trouve toujours le chiffre 3. Hein. Trois cerveaux. Le cerveau reptilien, que nous avons en commun avec les crocodiles.
animaux peu sympathiques, qui ont une grande bouche. comme le cerveau paléo-mammalien, c'est-à-dire les anciens paléo, c'est-à-dire anciens mammaliens qui se rapportent aux mammifères, que nous avons en commun avec les mammifères. Avec les rats et les souris. Les souris sont peu sympathiques, les rats encore moins. Et les surmulots. Bon. Et puis le cerveau néo-mammalien que nous avons en commun avec les chimpanzés, mais c'est plus développé chez les hommes. Au moins chez la plupart des hommes. Hein. et donc, normalement, il faut une hiérarchie. Bon, et lorsque dans la musique nègre, ce rythme sexuel se met en branle, si j'ose dire, c'est un mauvais jeu de mots. Vous êtes en forme. Non, mais vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Je ne peux plus parler français avec vous, parce que tout de suite, vous cherchez le double sens. Et donc, à ce moment-là, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus. C'est une inversion des... C'est un retour à l'état sauvage. Okay. Alors peut-être que ceux qui n'entendent pas la beauté du jazz ne sont pas sourds, mais ils ont simplement le cerveau reptilien atrophié. Parce qu'ils ont un cerveau néo-mammalien tellement gros qu'il prend toute la place. Développé, non, mais il faut l'équilibre, c'est, il faut faire fonctionner les trois cerveaux. Oui. Les trois cerveaux. Hein. Sinon, on perd tous ses instincts et on devient une sorte. Et on reste plus haut. Exactement. Excusez-moi. Excusez-moi. Paco da Silva vous demande votre avis sur l'euthanasie. Changement de thème. C'est une honte. Attendez, c'est. Il faut respecter la. Non, c'est un sujet sérieux et grave. Évidemment, ce salopard, cette ordure cosmopolite de Macron, et pour l'euthanasie. Bon, il faut respecter la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Voilà. Alors, je ne suis pas pour l'acharnement thérapeutique, mais l'euthanasie est une monstruosité. Mettre à mort quelqu'un, alors qu'il peut encore vivre, c'est une monstruosité. Et s'il le supplie mais... alors il faut lui donner. On peut toujours trouver des cas de conscience particuliers, mais il faut donner des comment appelle-t-on ça, des soins palliatifs. Oui. Il faut donner de l'opium pour qu'on ne souffre pas. Les gens qui supplient, ce sont des gens qui souffrent. On peut donner une forte dose d'opium qui va empêcher la souffrance, qui va effectivement accélérer la mort, mais ce ne sera pas de l'euthanasie. Mais oui, ce sont deux sujets un peu différents finalement, mais aujourd'hui la question c'est plutôt celle du suicide assisté. C'est aussi monstrueux. Et ceux qui ont recours ne le font pas toujours pour une souffrance physique, mais plus pour une souffrance morale. Enfin, ils ont envie ils estiment avoir fini. C'est abominable, il faut aider les gens qui ont envie de se suicider, qui sont sur le. Et il ne faut pas les aider à se tuer parce que c'est horrible. Voilà. Les gens qui sont malades, il faut les soigner. Écoutez, nous sommes dans l'Occident chrétien et ces principes sont des principes cosmopolites complètement anti-occidentaux parce qu'anti-chrétiens. Donc il faut les rejeter au nom de la tradition et de nos principes religieux, pour ceux qui ont une religion. Okay. Nous avons un don d'Edouard. Merci encore, Edouard. 5 euros. Que pensez-vous d'une certaine droite qui glorifie l'œuvre de Pol Pot, prétextant qu'ils ont voulu éradiquer les bobos de gauche de l'époque? Ce sont des imbéciles, ils ne sont pas de droite. Peut-être que on trouve peut-être des racailles qui sont de la PND, non, prétendue nouvelle droite, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Voilà. Non, moi, si c'était pas une mauvaise blague, c'est complètement débile. Je pense qu'ils sont mus par la haine des bobos, ça leur fait dire des bêtises. Attendez, ils sont mus par la haine, c'est ça. Mais la haine, oui, mais c'est la haine, la haine est mauvaise conseillère. Hein. Alors, les bobos ont le droit de vivre, hein, franchement. Non. Si on les soignait de leur cosmopolitisme, ils seraient sympathiques, ils ont d'autres qualités par ailleurs. Souvent, ils sont des gens très urbains. Surtout les bobottes, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut distinguer quand même les bobos des traîtres véritables. Ah, oui, évidemment. Les traîtres méritent d'être fusillés. Après jugement. Je pense que nous sommes d'accord. Après jugement. Et avant, modification de la loi, évidemment. Modification de la loi pour que cette exécution soit possible. Alors, il faut modifier la loi, mais est-ce qu'il ne faut pas réintroduire un principe de rétroactivité, hein? Parce que Macron, c'est nécessaire. Si on rétablissait la peine de mort pour haute trahison. Et le cas de Macron serait intéressant à traiter, mais je pense que. Écoutez, Sarkozy on a bien fait ça, on a bien fait ça à Nuremberg, on a piqué des devoirs rétroactifs. Donc pourquoi Bien un précédent. Il y a un grave précédent. Hein. Quel précédent? Quel précédent, ouais. Rami Cher reproche à la sympathique Giorgia Meloni d'être judéo-servile, puisqu'elle utilise beaucoup trop souvent, d'après lui, le terme judéo-chrétien. Alors honnêtement, je pense que c'est de l'ignorance de sa part. Je crois que la plupart des gens, il y a une telle propagande que les gens croient que le judéo-christianisme existe. Or, il n'existe pas. Il y a un judéo-islamisme. Regardez ce qui est... N'allez-vous pas au temple judéo-chrétien le dimanche, Henri? Je
je vais à l'église catholique, écouter des messes de Saint-Pie-V en latin. J'ai acheté le missel de l'abbaye du Barreau, vous voyez, donc une bonne référence. Et donc, mais vous posez des questions indiscrètes sur mon missel. Hein, alors, quelle était la question, rappelez-moi, c'est... Est-ce que Georges Meloni est judéo-servi? Alors oui, écoutez, non, c'est pas parce qu'elle n'est pas du judéo-servi, elle fait... Bon, à vrai dire, les Juifs sont peu nombreux en Italie. Ils ont un rôle beaucoup moins important et donc beaucoup moins néfaste aussi que chez nous. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne jouent aucun rôle. Benetton, c'est quand même... Le United Colors of Benetton, c'est en Italie. Bon. Mais globalement, donc elle emploie une expression reçue, qui relève de la pure propagande. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, je vous conseille de lire sur notre site, lesquin.fr, dans la rubrique analyse, il faut lire l'article qui s'appelle Le mythe du judéo-christianisme, je crois. C'est bien ça Et aussi dans le compagnon doctrinal, Sagesse des nations de libéraux, il y a un apophthegme sur le sujet, le judéo-christianisme n'existe pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que, c'est très simple de comprendre, le judaïsme est une religion orientale qui est très proche de l'islam. Le judaïsme est un islam raciste, l'islam est un judaïsme universaliste. Il suffit de penser que les juifs comme les musulmans ne mangent pas de porc, les juifs comme les musulmans pratiquent la circoncision masculine des enfants, ce qui est une barbarie, etc. Les juifs comme les musulmans veulent être séparés des non-juifs ou des non-musulmans dans les cimetières. Il y a toutes sortes de... C'est-à-dire pour une bonne raison, c'est que l'islam est une hérésie juive. C'est une hérésie tirée du judaïsme actuel, du judaïsme pharisaïque. Au passage, je rappelle, parce qu'il faut vraiment... Les gens ne le savent pas, c'est pourtant une vérité incontestable et très importante. Le judaïsme actuel est celui des pharisiens dont parle l'Évangile. Voilà. Je pense que pour la plupart des gens qui connaissent mal le sujet, c'est difficile de classer les juifs à l'Orient parce qu'ils connaissent très peu de juifs religieux. Et les juifs qu'ils voient ou dont ils entendent parler sont des juifs sécularisés qui leur semblent plus proches notamment du mode de vie occidental. À ce moment-là, Rachid Hadati n'est pas une orientale d'origine. Rachid Hadati est complètement assimilé. Certes, mais disons que l'islam... Complètement, en tout cas, elle fait semblant. L'islam comme religion est très visible... alors que le judaïsme comme religion est peu visible, mais les juifs sont très visibles, mais plus comme communauté que comme religion. Donc ça induit une difficulté de perception quand on ne connaît rien à la religion juive. Ils sont moins nombreux, c'est tout. Ils sont beaucoup moins nombreux dans le monde, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, peu importe. Le judaïsme actuel, qui est celui des pharisiens par l'Évangile, c'est une religion isomorphe de l'islam. Voilà. Ça, c'est incontestable. D'ailleurs, attention. Je reviens derrière mon exposé futur. Je dirais en conclusion, il faut bien comprendre que le christianisme est une religion de la foi par opposition à l'islam ou au judaïsme, qui est une religion de la loi. La religion de la foi, c'est donc une religion de la vérité. Et la tradition indo-européenne est fondée sur la religion de la vérité. Alors on n'est pas forcément de croire la doctrine, mais on vous dit c'est la vérité et vous devez y croire. Donc une religion de la vérité. Et une religion de la foi, c'est une religion de la vérité. C'est la foi qui sauve plus que les œuvres, en tout cas pas les œuvres de la loi mosaïque ou de la loi musulmane. Et alors en termes savants, on peut dire que le christianisme est une orthodoxie. On respecte une foi, on respecte un credo. Alors que l'islam ou le judaïsme sont une orthopraxie. On demande aux fidèles de respecter des commandements très précis. Par exemple, on a un exemple caricatural. Excusez-moi, je suis obsédé, mais Zemmour a dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Or, il respecte strictement la loi juive, les 613 mitzvot. C'est-à-dire qu'il, à partir du vendredi soir, début du Shabbat, le sabbat en français, il cesse d'utiliser son téléphone mobile. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'électricité, d'utiliser l'électricité pendant le sabbat. Il a deux vaisselles, deux frigos et deux femmes. Alors, de femmes, ça c'est autre chose. Mais enfin, il y a effectivement, comme on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande, enfin, le judaïsme, c'est un ramassis de règles absurdes, hein, ridicules. On n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande, par exemple. Donc il faut avoir deux couverts, l'un pour le lait, l'autre pour la viande, et il y a donc aussi deux frigidaires, l'un pour le lait, l'autre pour la viande. Que pensez-vous du
Alors c'est Bruno Le Sucré qui demande, que pensez-vous du rouquin qui a battu sa femme, donc c'est Adrien Quatennens, chez La France Insoumise. Qui a battu sa femme, entre guillemets. Je n'ai jamais donné une claque à ma femme, mais je veux dire, c'est parce que dans un moment d'énervement, on donne une claque à sa femme, qu'il faut en faire un scandale. L'état de ça comme mort ridicule, c'est complètement... Alors ce pauvre type de 4 mains, j'avais compris qu'il avait 4 mains pour donner des chiffres à sa femme. écoutez, bon, il se retire du jeu parce que sa femme... c'est complètement ridicule. Voilà. Il ne faut pas battre sa femme, c'est sûr. Hein. Voilà, c'est très mal. Mais c'est pas parce qu'il aurait donné une claque qu'il faut en faire un scandale national. Espinofan, Juris Rack et ES demandent votre avis sur Jean-Luc Godard et sur son cinéma. Écoutez, pour moi c'est un mauvais cinéaste qui fait du mauvais cinéma et le cinéma mal orienté. Voilà. Don Dieg demande ce que vous pensez de la situation en Arménie. Alors, je vais citer notre ami Maxence de Touraine, qui est pour la préférence indo-européenne. Et nous avons d'abord la préférence nationale. Mais nous pouvons avoir aussi une préférence occidentale, c'est-à-dire que toutes choses égales d'ailleurs, nous préférerons un pays occidental à un pays qui ne l'est pas, dans un affrontement extérieur à notre pays. Nous pouvons avoir même une préférence indo-européenne, pour des pays indo-européens non occidentaux. Et enfin, une préférence caucasoïde. Mais ce sont des préférences de degré de plus en plus bas, et cela ne vaut que si l'intérêt de la France n'est pas en jeu. Et donc il ne faut pas, sous prétexte de préférence occidentale ou indo-européenne, condamner François Ier qui s'était allié avec le Grand Turc contre Charles Quint. C'est l'intérêt de la France, donc il avait raison. Lorsque c'est un conflit totalement extérieur, nous avons toutes les raisons intellectuelles, je dirais morales et spirituelles, de soutenir nos cousins indo-européens. Les Arméniens sont des cousins indo-européens. Bon, pour ne pas enjoliver le tableau, il faut quand même... Ils sont, les Arméniens, à l'origine, en 1200 avant Jésus-Christ, faisaient partie des peuples de la mer. Et ils ont envahi, ils ont conquis le royaume d'Urartu. Et ils sont imposés comme une aristocratie, mais à mon avis, le sang aria chez un Arménien soit dépassé 5 ou 10%. Hein. Et le substrat ouartéen est prédominant. Racialement, ils sont très peu... et bon, ne soyons pas désobligeants, mais ils ont ils sont plutôt... très orientaux. Ah oui, complètement. Ouais. Un Arménien ou un Sépharade, ça ressemble beaucoup quand même. Hein. Bon, en général. Hein. Bon. Donc ce sont si je disais que c'était des Indo-Européens matinés cochourdins, je ne serais pas très gentil. Donc je ne dirais pas. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas entendu dire. Hein. Hein. Ce sont des cousins. Nous sommes malentendants. Donc, Et en plus, leur langue est complètement corrompue. Hein. Ils ont fait de la langue indo-européenne une langue sémitique. Non, comme les langues turques, c'est des langues. Agglutinantes, oui. Il faut le faire. Bon, donc ils sont vraiment très 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 métissés, quoi. Très très mélangés, disons. C'est pas du métissage entre une race qui n'est pas caucasoïde, mais très mélangés. Mais ce sont des cousins indo-européens, ils ont conservé certaines traditions, voilà, et donc nous avons toute raison d'être sympathie pour eux face aux Azéris, qui veulent continuer le populicide arménien de 1915, qui lui-même n'est que le dernier d'une longue série, sachant que les Turcs, pratiquement tous les pays actuellement occupés par les Turcs, tous les pays ou les régions, étaient occupés antérieurement par des Indo-Européens, en général des Indo-Iraniens ou des Arméniens, ou des Grecs, qui ont été populicidés ou génocidés. Songez qu'en l'an 1000, il n'y avait pas un seul Turc en Anatolie, c'est-à-dire dans la Turquie ottomane, capitale Ankara actuelle, il n'y a pas un seul Turc. Aujourd'hui, il y a essentiellement des Turcs. Grand remplacement, c'est ce qu'on appelle le grand remplacement dans l'histoire. Le grand remplacement a eu lieu pratiquement dans tous les pays turcs. Et j'ai spécialement une pensée pour nos cousins tokariens, vous le savez, j'en ai déjà parlé, parce que c'est peu connu. Les tokariens, on a retrouvé la civilisation tokarienne lorsque les archéologues sont allés dans le Xinjiang, la province peuplée de Ouïghours et de plus en plus de Han, dans l'ouest de la Chine. Et la capitale de sa plus Urumqi, il me semble, non hein. Et
Et au 9e siècle après Jésus-Christ, nos cousins tocariens, qui étaient des Indo-Européens, donc on a retrouvé un nouveau groupe de langues, le tocarien A et le tocarien B, c'est des bouddhistes, ils avaient été convertis au bouddhisme, ils ont été exterminés par les Ouïghours, qui les ont remplacés. Voilà. Et donc d'une certaine manière, on peut dire que les Chinois aujourd'hui... Vengent les tocariens. Vengent les tocariens. Voilà. En exterminant les Ouïghours. Et si je me souviens bien, vous m'expliquiez que la langue tocarienne n'appartenait à aucune autre catégorie. Oui, c'est un groupe différent. Oui, aujourd'hui, il y a neuf groupes de langues indo-européennes. Alors, je le rappelle rapidement pour l'éducation des masses, et en particulier des masses qui nous écoutent. Les langues germaniques, en allant d'ouest en est, et en partant de l'Islande, de langues germaniques, celtiques, romanes, j'en suis à 3, slaves 4, baltes 5. Albanaise 6, grec 7, romane, c'est vrai. Ah oui, romane, pardon. 7, et puis ensuite 8 arméniennes et 9 indo-iraniennes. Et donc les tocariens et les hittites sont deux autres groupes. Donc il y avait au moins 11 groupes à l'origine. Non, peut-être un autre. Ah, est-ce que j'ai dit albanais? Oui, oui, albanais. Donc il y avait au moins 11 groupes. 11 groupes linguistiques. Nous, Français, nous parlons une langue romane qui descend du latin. Le latin étant même une partie des langues celtiques. Et vraisemblablement, il y avait à l'origine un sous-groupe italo-celtique. C'est-à-dire que le gaulois, comme les autres langues celtiques qui ont survécu, était très proche du latin, ce qui explique le fait que, sans grand remplacement de population, et malgré le génocide gaulois perpétré par Jules César, il y a eu une latinisation, une romanisation des Français. Mais alors, voilà pourquoi nous parlons français, non pas gaulois. Le gaulois pouvait-il être suffisamment proche de l'ancien irlandais, par exemple, pour être classé dans la même catégorie? Parce que les langues celtiques actuelles, britanniques... Je crois qu'il appartenait à un sous-groupe différent, parce que aujourd'hui, il y a donc deux groupes de langues celtiques, les langues gaéliques ou goïdéliques et les langues britonniques, c'est-à-dire vous avez le gallois et le breton d'un côté, et de l'autre côté, le gallique irlandais, le gallique écossais. Et je crois que la langue de Manx doit être éteinte, doit être aussi du gallique, et le cornique, la langue éteinte de la Cornouaille britannique, c'était aussi du britannique. Et c'était assez différent du gaulois, tel qu'on peut le reconstituer d'après le peu de reste de la langue gauloise qu'on a. Je reviens un peu en arrière, mais sauf erreur de ma part, quand vous avez cité les différentes préférences que nous pourrions avoir, préférences occidentales, préférences indo-européennes, préférences caucasoïdes, vous n'avez pas cité, c'est dans un autre registre évidemment, mais la préférence pour les chrétiens tout simplement. Doit-on avoir une préférence pour les chrétiens? Alors c'est un ordre différent, mais oui, je pense qu'il faut avoir une sympathie pour les chrétiens. Et les chrétiens d'Orient notamment. J'avais invité SOS Chrétien d'Orient à cette émission. Même si ces chrétiens sont des hérétiques, ils sont chrétiens et donc il faut les aider. Oui, ça, c'est sûr. Mais je n'appellerais pas ça de la préférence. Je préférerais un autre terme. Solidarité? Oui. L'esprit de croisade. Sympathie au sens vrai du terme. Sympathie, je souffre avec. Avant un don d'Anatole, le Candol, de 2 euros. Merci Anatole. Vous n'êtes pas si Candol que ça alors. Que pense Henri de Lesquin de l'écrivain Jean Giono? Jean Giono. Genet ou Genot? Giono. Ah, Giono, c'est un grand écrivain. Donc j'ai peu pratiqué, mais oui, c'est un merveilleux écrivain. Giono, c'est merveilleux. Oui, bien sûr. Je croyais que vous disiez Genet, là, c'était un décadent, des airs. Un dénommé Jérôme nous apprend que quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle « Le cerveau reptilien sur la popularité d'une erreur scientifique », qui est un livre cosmopolite qui tend à démontrer qu'il n'y a pas... Alors, écoutez, il y a des débats scientifiques. Il paraît que vous êtes cité dedans. Ah oui. Certainement, c'est certainement une idée que les cosmopolites refusent la science. Il faudrait pour faire un droit de réponse. Non, écoutez, c'est un sujet scientifique très difficile qui porte de la neurologie. Je crois honnêtement que les thèses de Paul MacLean sur les trois cerveaux sont solidement établies sur l'analyse des hommes actuels et puis sur l'analyse de l'évolution biologique et la comparaison. Donc ça me paraît très solide, ouais, très solide. Et donc, alors évidemment, ça déplaît aux cosmopolites. Hein, mais il faut savoir que le lysenkisme, c'est-à-dire
la désinformation scientifique pour des raisons idéologiques de gauche fait des ravages dans la science, dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Vous savez que maintenant on nous explique que il n'y avait pas d'inégalité entre l'homme et la femme chez les paléolithiques. Non, c'est le cosmopolitisme, sa forme la plus aiguë du wokisme, se faufile partout. Est-ce que vous suivez le tennis, Henri ? Écoutez, je l'ai suivi autrefois. J'avoue que maintenant je regarde pratiquement plus la télévision et alors jamais le sport. J'ai pas le temps. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de mots pour la retraite de Roger Federer. Comment dirait-on ? Je ne sais pas. Bah, si, je sais qui il est, j'ai la sympathie pour lui. Je préfère Djokovic, qui me paraît, bien qu'il ne soit pas occidental mais oriental, c'est un homme courageux qui a refusé de se faire vacciner. C'est un nationaliste, donc c'est quelqu'un de très bien. Federer, bah, à ma connaissance, est aussi très bien. Je crois qu'il n'y avait rien à redire. C'est l'avis d'avant qui demandait, à propos de la retraite de Federer. Et donc, c'est une grande page du tennis qui se ferme. Hein. Ouais. Ah, vous savez, j'avais regardé le tennis il y a 50 ans. À l'époque, c'était Borg et McEnroe. Hein, Ça fait un moment. Et avant moi, il y avait Rod Laver, qui était c'était dans les 1950, bah, avant moi, avant que je m'intéresse au sujet. Rod Laver, qui était le grand champion, je crois qu'il était australien, non, Rod Laver. Hein. Australien, c'est possible. Et qui a remporté pratiquement tous les championnats de... Comment ça s'appelle le grand tour? Le Grand Chelem. Le Grand Chelem, voilà. C'est d'anglais. Open d'Australie. Ah oui, le grand... Oui. La grande série, quoi. Comment dirait-on, donc c'est, je sais pas très... c'est pas l'Open d'Australie non plus, ce serait le... J'ai trouvé l'autre jour une traduction de bug. Il faut dire la faille, évidemment, c'est tout simple. Dans la première informatique, c'est le bug, c'est la faille. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose qui a un rapport avec les insectes ? C'est un mot français qui s'appelle... L'importation de... La faille, c'est une faille, c'est un mot qui existe, qui fait l'utiliser, c'est tout. La faille. Fauchelevent demande si vous pouvez commenter le projet de Macron annoncé devant les préfets réunis qui consiste à peupler les campagnes avec les immigrés surnuméraires dans les banlieues. Et tout à l'heure, quelqu'un demandait... de dire un mot aussi sur les manifestations contre ce projet, parce qu'apparemment il y a des manifestations dans les villages en principe. Alors là, c'est un vieux sujet. Cette proposition avait été faite, je crois même que la fausse Pécresse l'avait faite aussi. Mais c'était, je me sens que Sarkozy déjà avait déjà, ou même avant, du temps de Chirac, les immigrés surnuméraires, mais surtout surnuméraires, donc ça fait pas de sens ce que ça veut dire. C'est vrai. Voilà. Non, alors l'excellent Jonathan Sturel dit, mais en fait Macron veut faire ça parce que son électorat est un électorat de bobos, de bourgeois des villes qui commencent à trouver qu'il y a trop d'immigrés chez eux, donc il veut les envoyer ailleurs, et pour ceux qui tiennent pour des bouseux vont maintenant subir l'immigration. C'est une bonne analyse. Ça me paraît une analyse très juste, hein, très juste. Il ne faut pas répartir l'immigration, il faut la renvoyer. Voilà. Donc c'est un projet scandaleux qui consiste à accueillir toujours plus d'immigrés. En plus, il s'agit d'immigrés illégaux. Hein. Alors ne dites pas sans papiers, qui les présenteraient comme des victimes de victimes à qui on aurait refusé de donner des papiers. Ce sont des immigrés illégaux, donc des hors-la-loi, ou des envahisseurs. Vous avez le choix. Immigrés illégaux, hors-la-loi, envahisseurs. Si on dit envahisseurs sur Twitter, on se fait bannir. Je l'ai vu. Donc, ouais. Écoutez, moi j'ai été banni 5 fois de Twitter. J'espérais, je priais le ciel pour que Elon Musk rachète Twitter. Malheureusement, ça a perdu de se faire. Bon, il nous reste à peine 10 minutes, 7 minutes. Il faudrait aller à l'essentiel. J'ai vu Donald Trump dire du bien de Klaus Schwab et de... comment ça s'appelle, son bouquin, le grand... le forum de Davos. Le forum de Davos, ah, oui. Eh ben, écoutez, ça prouve que personne n'est parfait. Hein. Hein, ouais, le Schwab, c'est un des pontes de la superclasse mondiale. Hein. Je crois qu'il y avait une internaute, Marie Cagenon, je crois, si je me souviens de son pseudo, qui demandait quelle était la plus belle cathédrale de France, selon vous. Écoutez, je ne sais pas quelle est la plus belle, bah, mais il me semble que la plus illustre ou la plus symbolique, c'est celle de Reims, non ? Où les rois se faisaient sacrés. Et pour les... Je crois que je n'y suis jamais allé, mais d'après les photos que j'ai vues, elle est sublime. Hein. Alors certains m'ont dit que c'était Amiens, hein, qui était la plus belle. Amiens, très impressionnante. Notre-Dame de Paris, il est quand même pas mal. Mmh. Hein.
Il y a tellement de belles choses. Alors oui, d'ailleurs, je lance le jeu. Définir les sept merveilles du monde aujourd'hui. Vous savez que les sept merveilles du monde grecques ont toutes disparu, sauf les pyramides d'Égypte. Bon, moi, je trouve que malgré l'admiration que j'ai pour les Grecs, les pyramides d'Égypte, ce n'est jamais qu'un tas de cailloux. Donc, je ne les garderai pas. Alors, Elles ont l'avantage d'être grandes, mais... Ouais, d'accord. Alors, donc, moi, je propose une liste de sept merveilles du monde. En termes d'ingénierie, la construction et la logistique, c'est intéressant alors, quand même. Pour montrer que je ne suis pas, ethnocentrique, je pense qu'une des merveilles du monde, incontestablement, c'est le Taj Mahal. Taj Mahal. Oui. Mausolée musulman qui est en Inde, c'est vraiment d'une beauté. Y êtes-vous allé? Oui, je vais vous dire. Moi, je savais que c'était réputé. Je suis allé avec ma femme là. C'est une beauté à couper le souffle. Bon, j'ajouterai, paraît-il, les temples d'Angkor. Je suis pas allé dans le hindouisme. Je mettrai l'Alcazar de Grenade aussi dans les sept merveilles du monde. Bien sûr, le château de Versailles. Parce que je suis versaillais. Le Mont-Saint-Michel, j'en suis à combien? À 5. La cathédrale de Reims, donc, ça fait 6. Et bon, je prendrais bien un tableau de Botticelli, et je mettrais le printemps de Botticelli. 7. Alors, si on pouvait aller au-delà de 7, je mettrais bien... C'est difficile. Bon, 7, c'est quand même le bon chiffre. Ah bah c'est le nombre sacré de la tradition indo-européenne. Voilà. Car si vous avez 7 jours dans le mois, chers amis, c'est à cause de la tradition européenne, indo-européenne, qui a été adoptée par les Juifs. Quel serait votre 8e? Je vous ai coupé. Écoutez, un ouvrage moderne, le viaduc de Millau. Ah. Magnifique. Le pont de Normandie, peut-être. Ouais, le pont de Tancarville. Oui, exactement. Je trouve que, c'est bien, mais je trouve que le viaduc de Millau est encore mieux. Qu'en pensez-vous, Pierre? Le 8e? Ou le tunnel sous la Manche. Non, c'est une belle réalisation, mais ça, en plus, on ne voit rien, c'est un tunnel. C'est que ça, franchement, là. C'est vrai. Il nous reste 3 minutes. Encore une ou deux questions. Quelqu'un a vu la tombe d'une certaine Marguerite de Lesquin du Plessis-Casso, née Noël, je crois, dans un petit village en Normandie. La connaissez-vous? Bah oui, c'est ma cousine, ouais, évidemment. Ouais. Ouais. C'est ma cousine. D'accord. Ouais. Ouais. J'ai vu une question de Neil. Bonsoir. Est-ce vrai qu'en privé vous êtes un vrai bout en train que l'on vous surnomme amicalement Riton? J'espère qu'on ne me surnomme pas Riton. J'aime bien faire des plaisanteries. D'ailleurs, j'en ai même fait quelques-unes en public. Mais ceux qui m'appellent Riton m'insupportent. Hein. Voilà. Pourquoi pas Riri pendant que vous y êtes, hein. Non, mais attendez. Alors, j'ai envie de lire celle-là qui est un petit peu. Enfin, vous allez voir. Que pensez-vous du culte à Isis qui a eu lieu sur la place de la Bastille quelques années après la dite Révolution française, quand les 89 commissaires de la Révolution vont boire l'un après l'autre au sein de la déesse franc-maçonne? Oui, je pense que c'était du pittoresque franc-maçon. La franc-maçonnerie qui a été créée début 18e, en Angleterre, a recueilli toutes sortes de traditions pittoresques ridicules, dont le culte d'Isis, sans aucun sérieux. Hein, donc, voilà. Je ne veux pas dire que ce soit contre ce que croient les complotistes d'extrême droite, une gnose qui a fait résurgence. Ça me paraît très peu probable. Hein. Ben Pasque cite la cathédrale Saint-Basile à Moscou pour une des merveilles du monde, éventuellement. Non, ça, je la connais, elle est belle, mais non. Et Ambroise dit, enfin, à mon avis, qu'il pensait que vous citeriez la Tour Eiffel. Ah. Moi, je suis partisan de la vendre au Qatar, vous comprenez? Non pas de la détruire, mais de la démonter, de la vendre au Qatar. Bon, écoutez, chers amis, nous arrivons au terme de cette causerie. Merci donc à Maurice Seclin. Merci à Patrick Catelan. Et à Pierre de Tirmand pour avoir réalisé cette émission, mais il a été particulièrement distrait, c'est-à-dire il est peu intervenu, Pierre de Tirmand. Hein, hein, hein. Dommage. Et alors, il me reste une minute, je vous rappelle, alors, moi, je vous invite d'abord à aider Radio Athéna, comme vous le pouvez. Il y a aussi Tipeee hein, qui fonctionne. Hein.
Et puis il doit y avoir le lien sur la chaîne YouTube. Hein. Et puis donc, je vous rappelle le jeudi 13 octobre à 19h, la rencontre de jeudi avec Yves Roucaute sur l'utopie environnementaliste et ma conférence le samedi 29 octobre à 17h, ici même, donc au 4 rue de Stockholm, Paris 8e, au Carrefour de l'Horloge, sur le thème des origines indo-européennes du christianisme. Merci, chers amis. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.